sais pas. Je sais pas, j'ai pris mon. Et après, là, tu as du coup les commentaires qui vont s'afficher. Ok. Et si jamais tu fais un live en duo, à côté, en haut, tu as un onglet pour discuter en privé avec la personne avec qui tu fais le duo. Voilà. Et puis après, c'est pour. Ah ben non, ça s'écrit là, là, chat privé, mais bon, il n'y en aura pas. Et la bannière, c'est si à un moment tu veux changer ta couleur, ton nom et tout. Ah oui, chat privé, là c'est pour. Ok. Là, ça y est, c'est parti. Bah ouais, c'est parti, maman, t'as le temps. Toi, t'as le temps quelque Ah oui, part. Et d'accord, là, en il y a une direct. personne qui regarde. Ok. Bienvenue. Ah, coucou Marie. Coucou Marie! Attends, j'essaie de partager ton lien. Comment je fais? Bienvenue. Coucou Lorraine, bienvenue. Coucou Nat. Salut, bienvenue. Comment tu fais? Ah si, partager. Excusez-moi, je partage juste dans le Discord. Merci. Alors, tu m'as dit, chatin, vous allez bien les filles? Coucou Ila. Coucou Ila, coucou Nat, coucou Lorraine, coucou Marie. On est en retard, vous nous attendiez de pied ferme. Bon, on n'arrive pas trop à. Coucou Stéphanie. Et si on est là? Non, c'est encore pire là. Oh, Je sais pas ce qu'il regarde! y a. Waouh. On touche plus. Parfait. Magnifique. Coucou Silla. Mazel tov pour ton premier live. Merci. Histoire de savoir si tu rêvais de la. Oh, c'est pas gentil. T'as fait une bonne sieste. Ah, j'ai fait une très bonne sieste. Tu veux un combo brun? Brun, châtain, j'en fous. Ok. C'est juste que c'était compliqué parce que tout sur mon ordinateur, c'est avec mes mots de passe à moi, c'est mon compte à moi, et du coup, il fallait tout la Tout connecter, elle, enlever, ouais. pour que le live se passe sur sa chaîne. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Oh, j'ai la pression. Il y a son chum qui nous a coupé Internet comme ça. Mes enfants qu'il fallait coucher, Ouais, qui les sont enfants fallait coucher. épuisés. Ça va, ça? Ouais. Bah moi c'est au pif, hein, tu sais bien mes combos. Hein. Mais tu regardes même pas un nuancier? Ah non, pas du tout. Bah si, mon nuancier, il est là. Ok. Sinon, on peut attendre Aurélie. Hein. Je sais pas si elle va venir. Pas sur ma chaîne, je rigole. Ouais, j'avoue. Bon, ça va, je suis pas trop stressée vu que Mais non, j'ai eu c'est un peu bon. de l'entraînement chez Lise. Non, mais c'est clair. Donc, Lise a colo le Rita Berman C'est et ça. puis moi le Mariola. Le plus clair. Le plus clair, c'est lequel des deux, là? Et tu fais Je pas encore plus clair. Là, on s'arrête là. pense. Ok. Ça, j'ai trop l'impression de te donner un combo, mais elle est où ma feuille de nuancier? T'as pas vu ma feuille de nuancier? Allez. Regarde comment c'est parfait là. Ouais. On est parfait. Merci Lorraine. C'est quoi? Bah, le plus clair que tu m'as donné, c'est 180? 180. 180? Bah c'est quoi? C'est brun ou c'est châtain ou... Bah, je sais pas, non, mais si tu me dis que c'est bon, qu'il n'y a pas de couleur de couleur plus claire. Bah tu vas laisser du blanc. Bon, on va essayer. Ouais. Ok, bah Ok. go. Sinon, si tu veux, après, ça va virer un peu sur le Tu veux pas me blond. donner le noir, s'il te plaît? Si. Lily's Rita, ça fait rire Marie. Vous Oui, t'en as déjà eu, en plus. j'en ai. Ah oui. J'en ai eu J'en ai plusieurs. déjà eu. Bon, bah, c'est cool de vous voir ici ce soir. Chélie. Ouais. J'étais tendue en plus pour faire le match, le match, Le live ce le live ce soir. soir parce qu'il y a un match PSG-OM. Regarde Stéphanie, elle a vu que c'était les polychromos. Ah, elle a Ouais. capté direct. Ils sont pas à moi. Il n'y a rien qui passe C'est quand même des incognito. longues mèches là. Ça m'inquiète un peu. Mais moi, j'ai pas envie de te donner des combos. Hein. Moi, j'ai pas envie de te donner des combos, j'ai pas envie de te préparer Oui, des je suis dans combos. mon perfectionnement cheveux, Scylla. Et du coup, là, j'essaye avec les combos de Ellie. Les polis de Ellie, elle m'a donné un combo, mais elle se fait caca dessus. Ah mais de ouf, si vous avez un combo à lui donner, allez-y, parce que moi Ouais. j'aime trop pas. Si vous avez un combo brun, châtain, polychromos, n'hésitez pas parce que Ellie, elle est en panique là. Ah ouais, clairement, j'ai peur de lui donner des combos. Coucou Elsa, Coucou Elsa. bienvenue. Moi, je réponds pas à Nat. Lily, tu as fini tes devoirs, c'est-à-dire le colo de Clio. Ben, je ne l'ai même pas ramené. Elle m'a dit que j'avais jusqu'au 2 juin pour le faire. Ouais, mais faut pas te donner une échéance longue. Budec avec un cœur. Ouais, elle cherche un petit colo avec pas trop de cheveux pour tester les. Enfin,
En fait, ça me fait peur parce que t'as pas l'air sûre de ton combo. Ah, mais je suis jamais sûre avec toi. Bah ouais, mais tu m'inquiètes, en fait. Non, mais avec moi, je serais sûre. Mais avec toi, je le suis pas. Bon. Marie, elle dit non, elle se débrouille. Pas de pitié. Non, mais ça va le faire. Au pire, c'est pas grave, c'est qu'un budec. Sur du papier budec. Voilà. Hein, on a dit ça. Bah, au moins, c'est sûr que si, de toute façon, si ça va pas avec ton combo, j'achèterai plus jamais les polis. Hein. Bon, bah voilà, c'est bien alors pour pas acheter. Je regarde si quelqu'un in extremis donne un combo. Moi aussi, je prie tous les dieux là pour que quelqu'un veuille donner un combo. Coucou Valérie, il y a peut-être Scylla qui va surgir de quelque part avec un combo poli. Coucou Valérie, bienvenue. Scylla, on compte sur toi. Scylla, s'il te plaît, je suis en. Je veux un brun, un châtain. Je tremble. Steph, j'avoue, j'ai pas une. Ça va le faire alors si tu veux rien de particulier. Oui, mais c'est juste que je sais pas, t'as pas l'air sûre de toi. Si, ça va le faire. Je pars dans quoi comme couleur là? Rose. T'as vu, j'ai pas dit turquoise. Ouais, c'est vrai, bizarre. Bah, rose et turquoise, ça va bien ensemble. J'ai pris quoi? J'ai pris le 199, le 280, le 175. Le 179 et le 180. Bingo! Ouais. Enfin, j'ai rien pris, moi. C'est Ellie qui m'a donné. On a besoin d'Aurélie. Je n'ai que des combos au Brutuneur. Mais moi, je lui avais passé un combo au Brutuneur une fois sur la page du QTN Creepy qu'elle avait eu envie d'arracher, vous savez. Bon, je sais pas dans quoi... J'ai reçu une notif comme quoi tu es en live avec moi. Ah, mais c'est déjà mieux parce que moi... Ah, et si là, prends un peu au feeling. Et tu veux pas prendre ton nuancier au feeling, là? Moi aussi, je prends au feeling et ça le fait d'habitude. Franchement, c'est rare que ça passe. Oui, c'est vrai. Pas. Bon. Vas-y, lance-toi. Hein. J'attends juste. Essaye sur une mèche de brouillon ici. Ah oui, t'as raison. Du coup, je j'ose pas commencer mon colo tellement je suis en. Bonsoir, Laurence. Brun. Franchement, brun ou châtain, j'avoue, je m'en fous. Enfin. Coucou Laurence, bienvenue. Je veux juste voir si les polis, je les aime bien en fait. Allez, on va partir sur du rose. C'est parti. Je vais t'écouter. Puisque coucou Lette. Je suis complètement perdue ce soir. Coucou Lette, bienvenue. Je sais même pas s'il supporte bien l'eau, le papier. Elle va racheter les polis. On prend les paris. Hein. Qui dit qu'elle va racheter? Voilà, je teste les polis. C'est juste pour vous faire parler. J'ai dit, tiens, je vais utiliser les polis juste pour les faire parler. C'était pour animer un peu le live. Ouais, parce qu'on sait que vous êtes un peu ramollis sinon dimanche soir. Bah, normal, en même temps. Et le week-end, il était fatigué. Hey, vous avez mangé combien de chocolat aujourd'hui? Toi, pas encore? J'en ai pas mangé un seul. Ouais, c'est fou ça. Bah, je me suis dit, si j'en mange un devant tes enfants, ça va être scandale. Ouais, à 19h, ah ouais. Il n'y avait pas moyen. Ils sont rentrés à 18h30 avec un sac rempli de chocolat. Et les petits, ils voulaient en manger, évidemment. Et les parents, ils disaient, non, c'est bientôt l'heure du repas, nanana. Donc, du coup, je me suis dit, si moi, je mange un chocolat devant eux à 18h30, Troisième Guerre mondiale, quoi. Zéro, pas un seul. Coucou Clem. Coucou Clem. Comment vous êtes trop sage, c'est fou ça. C'est clair. Non mais je voulais pas parce qu'en fait on est allé faire la chasse aux œufs chez ma belle-mère et en fait bah, ils se sont gavés les petits cet après-midi donc c'était mort là d'en manger. En plus il y a eu un gâteau j'ai entendu. Ouais, il y a eu deux gâteaux, il y a eu de la boisson, il y a eu coucou Juju. Ah ouais. Tu vois, ils étaient en feu les petits donc c'était mort là à cette heure-là. Coucou Juju, bienvenue. Fais attention parce qu'il y a Juju, il y a Julia et il y a Juliette. Ouais. Voilà. Pas peur. Et il y a Steph et Stéphanie. Ouais. Parce que Anne a dit Steph 1 et Steph 2, mais moi, c'est pas possible. Bah non. Voilà. Donc, le 280. Bon, au moins, je suis sûre qu'on va pas dire Elina. Tiens, je veux bien le 283. Qui a rectifié mon combo? Celui-là. En fait, c'est les deux dernières. Je sais pas, on dirait que ça fait presque vers kaki, non? Regarde. Bah, c'est le Grayscale qui fait ça, je pense. Mais non, il n'y a pas de Grayscale, là. Bah, c'est toi qui fais ça, alors. En fait, c'est pas que je suis sage, c'est que je mange pas de chocolat. Ah, d'accord, c'est ça en fait la vraie histoire. Ah ouais. Moi, j'avoue, si ça avait été du chocolat noir, je me serais pété le bide, mais c'était du chocolat au lait, bof. Alors, j'ai mangé un petit lapin Lindt, mais pas en entier. Bon, ça va, t'es sage.
Après, il y a des petits lapins lindes qui sont comme ça, mais il y a des petits lapins qui sont comme c'est ça. C'est ça. C'est lequel, quoi. Ah, si, j'aime bien. Coucou, JC. Coucou, personne. Coucou, JC, personne. Je préfère aussi le 283. Bah, allez-y, taclez mon combo sur mon live. Allez-y, il n'y a pas de problème. Non, mais je et doucement sur le 199 noir, bien sûr. Je lui avais pas donné le 199. Hein. Mais ça, je ne sais pas si c'est un papier de Budette ou pas. Je trouve que le pastel, il est vraiment dans le bec. Remarque, comme ça, moi, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus de culpabilité. Je me dirais pas, mais c'est de la faute de Scylla. Et je pique dans le chocolat de mes enfants. Bah, normal. Personne ne t'a offert de chocolat. Ah bah, va t'en acheter. Quoique là, avant quoi que dans Paris, on peut en trouver. Il faut s'offrir tout seul. Je t'en amènerai, Marie, du chocolat. Bon. Mais Dilis, tu colores. Oh là 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 là, Clémentine, arrête. Ça va tailler toute la soirée. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'elle prenne un colo un peu plus long. Comme ça, on pourra continuer de la tailler encore plus. Mais je sais pas. Je sais pas, je suis pas convaincue. Pour, t'es pas convaincue de quoi? Lilu? Ouais. Du papier? Non, Lilu. Bah, prends pas un trop gros parce que si t'aimes pas. Après, tu les avais utilisés, les poulies, avant de les. Mais tu vois, c'est juste que. Ouais, si, c'est juste que je trouve que c'est foncé. Bah, de toute façon, tu veux faire une brune, donc tu veux faire le blonde. T'as raison. J'ai toujours raison. Mais le 175, je l'ai fumé, il donne beaucoup de profondeur dans les nuances. Le 175. Ok. Je valide. Bon. Je valide ce que tu dis, Scylla. On est parti. Souhaitez-lui bon courage. Attends, je vais me servir un verre de coca. Vas-y. Tu renverses pas. Hein. Non. Non. Jamais. Non. Attends, j'y sais, je reteste les polis, là. Donc. Au moment, Lise, elle n'a pas racheté de poly. Hein. En fait, tu vas te racheter que quelques crayons, genre des combos de cheveux en poly. Bah ouais, mais après, on peut faire. Tu peux faire des cheveux verts, des cheveux bleus, des cheveux violets. Tu vois. Après, t'en avais déjà combien, on a dit 50. 50. Elle en a déjà 50, là. Non, attends. De toute façon, dans ma trousse, j'ai 80 places. Concrètement. Donc, j'achèterai jamais la gamme entière. Donc, il faut faire la croix sur 40 polychromos. C'est ça. Hein. Coucou Tiff. Coucou. Bon, je te jure, j'ai peur. Parce que je crois que j'ai peur d'aimer. Je crois que j'ai peur d'aimer. Bah de toute façon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas les plus chers. Donc si t'aimes. Et on est allé à Crédit. Mais moi, j'assume pas si je rachète des polis. Mais t'inquiète pas, on t'embêtera pas, tu nous connais. Ouais, c'est ça. De toute façon, on sait que tu vas les racheter. Donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera l'année prochaine. Stéphanie, c'est un bon calcul. Bah oui, c'est clair. C'est bien connu, on ne rachète pas de trousse. C'est clair, on ne rachète pas de trousse. Juju, mes crayons, c'est les Derwent Intense. Je commence mon livre, là, je l'entame. C'est un duo avec Tiff. Et je vais faire un petit fond au Intense. Mais je ne sais pas si le papier, il aime bien l'eau. Donc... on verra. Et tu veux pas me donner un... Un quoi ? Un crème un peu, parce qu'Aurélie m'avait blendé avec le crème pour pas que ça me stresse d'avoir du blanc sur ma feuille. Faut tout lui faire. Hein. Tu vires les jaunes, une partie des rouges roses, les gris et c'est bon. Oui, mais en fait, bon, pour l'histoire. Le quoi, le 103? Ouais, c'est bien. Enfin, je te dis c'est bien, je sais pas ce qu'on sait. Hop, avec le tigal, quelle horreur. Laisse-moi avec mon tigal. Hé, Tiff, le tigal, tu l'as jeté ou pas? Ton tigal. Dans une de tes vidéos, tu voulais le jeter. Oh. En fait, il y a quelques mois, j'ai revendu, mais j'avais 50 polis que j'avais achetés pour faire des cheveux, justement. Je les avais revendus à Ellie. Il y en avait 50. Donc, en fait, c'est juste que si j'aime bien les polis, elle me revend mes polis. Bah ouais, pour les cheveux, c'est trop bien, franchement, les polis. Qui a dit je clique pas crayon? Ah bah, clique pas, du coup, puisque c'est... C'est entre nous, quoi. C'est vraiment idiot. Moi, je te conseille de racheter une trousse et d'acheter toute la gamme. Ouais, mais moi, quand j'ai trop de trousses, après, ça me stresse. Bah, tu rachètes une plus grosse trousse. C'est des trousses de 220, c'est ça ton problème, en fait? Non, c'est des trousses de 300. Ah, c'est des trousses de 300. Et comme ça, je voulais mettre Pablo, Luminance et 80 polis. Tu vois? Bon, attendez, on se détend. On a vraiment des problèmes existentiels, quand même. Ellie, laisse-moi le temps de remplir le compte. Parle pas de crayon à juger, s'il te plaît. Attends, bah perso, je les ai pas tous. Je trouvais que certaines étaient trop proches niveau teinte, alors ça pourrait faire ton affaire de place. Ah, tu me dis, tu m'enverras, Stéphanie, ce que tu as? Je valide pas, ils sont tous utiles.
Je suis d'accord avec toi, Nathalie. Coucou, Steph. Coucou, Steph. Il est trop bien, le Tigal. Trafic d'influence, ouais. Steph, je te lis pas, je te lis pas. Bah moi, je peux la lire, du coup, puisqu'on fait le live à deux. Mmh. J'avais dit que tu rachèterais des polis. L'aide-moi, mon prochain craquage, je pense que c'est les chromaflots. Ah. En 100 ou en 150? Bon, en 150, bah, qui t'a acheté, franchement. C'est ouais. Clair. Ah, bah moi, j'avais pas vu Tiff. Ah, sinon, j'allais dire, tu me l'envoies. Hein. Ouais, c'est ça, elle est pas sûre de les acheter, mais elle est déjà en plein calcul, et puis... Et puis, quel crayon je vais pas prendre et tout ça. Mais bon, si elle aime, elle finira par tout racheter parce que franchement, ils sont bien. Puis après, elle fera des pots au poli. Oh, oh, c'est chaud, ça. 150, c'est quoi cette question? Bon anniversaire en retard, Juju de Steph. Boum, ça colle ou ça colle pas? C'est ce que je fais du rose là aussi ou pas? Peut-être pas. Hein. Bah, ça dépend. Ça. Tu peux comme tu ne peux pas. Fais du violet foncé. Ouais. Oh, genre, ton collègue va partir en couille si tu prends mes idées. Regarde, on va la phrase de ta feuille là. Oh, c'est vrai. Évidemment, je te l'aurais donné. Évidemment. Elsa, ça sent l'achat. Attends que j'aille la voir en mai. Qui va voir qui? Bah, Steph, normalement, elle est censée venir me voir. Ah, cool. Coucou, ça, on n'a pas bloqué la date. Coucou Danou, bienvenue. Coucou Danou, Ellie, on est 29. Ouais, ça va. Coucou Valérie, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Ah si, Valérie, je crois qu'on lui a dit bonjour. Ah ouais, je sais plus. Ça colo pas, ça colo. C'est apéro, évidemment. Juju, c'est apéro. Marie, ça végète, tu m'étonnes. Ça colo, mais j'aime pas trop la tournure. Aïe. Ah, c'était sur quel colo, Lorraine? Et ce qui colo, ça colo quoi? C'était un week-end colo ou c'était un week-end chocolat et nous on n'a pas trop colo pour l'instant. Nous on a colo un peu hier soir. On a voté, je suis arrivée vendredi soir. Enfin tard, le temps de manger. Ouais. La pression, Ellie. Mettez les pouces pour Ellie. Ben ouais, j'avoue, d'habitude, c'est moi qui dis. Ouais, mettez les pouces pour Ellie. Je vais pas dire mettez des pouces. Ah, toujours ta pin-up. La pin-up de quoi? De Amandine Young? Ouais, c'est la pin-up bretonne. Ouais, Steph, mais il faut juste que tu me dises quand tu sais le jour, savoir s'il faut que je pose ma journée, en fait. Colo dans Witchcraft avec une palette du Rainbow. Ah, c'est Mystic Art. Mystic Art, ouais. Une double page dans le Garden of Written Animal de Yanoko. C'est lequel, ça? Ah oui, Garden, c'est la réédition, je crois, d'un des deux que j'ai. Magical Dawn. Ouais. Ça colo pas chez Danou et chez son fils. Ah, cool, Danou, trop bien. Bonsoir à ceux qui arrivent. Moi, je vous regarde colorier. Ouais. Tu regardes Lilith craquer pour des polychromos, c'est ça? Je me remets sur mes fraises. Ah, franchement, tes fraises, elles sont trop belles. Si là, tu les as vues, les fraises dans oui, le... Oui, j'ai vu dans le Discord. Ouais. Ouais. Pas de chocolat, du colo. Ah, c'est pas la colo. Week-end famille et bouffe. Ah bah toi, en plus, t'avais les anniversaires, Tiff. Ah, pourquoi mon message a été supprimé? Bah non. Laurent. Il faut que tu poses... Bah, ça dépend quel jour, Steph. Mais je m'en fous, j'ai plein de jours. Je sais pas, Laurent, je sais pas de quel message tu parles. Moi, je t'ai vu dire bonjour, non? Tu l'as peut-être supprimé par inadvertance, non? De toute façon, je n'ai pas de modérateur, je crois, donc il n'y a personne qui a supprimé. Ah, c'est vrai, il faudrait que tu mettes des modos. Je ne sais pas si on peut d'ici. Laurence, pas un énorme. Ah non, merde. J'ai vu ton message, c'est pas un énorme. Après, on l'a peut-être surtout juste loupé, non? Toujours la belle au bois dormant, je n'aurais pas fini ce soir. C'est pas grave. Les deux, évidemment, pour Valérie. Grave. Par contre, bon, il ne faut pas trop manger le chocolat en même temps que le colo, parce que ça va faire des taches. Oui, Lily, je te regarde craquer. Enfin, je pense que tu as déjà craqué. Je suis pas modo, c'est pas de ma faute. Hein? Pour la disparition du commentaire. Lily, elle n'ose plus colorier parce qu'elle a peur de se l'avouer, en fait. C'est pour ça. Mais non, mais c'est bizarre le message de Laurence qui a sauté. Bah, je sais pas, Laurence. J'ai mis un message et hop, il a sauté. Bah, ça se trouve, tu l'as supprimé sans faire exprès, non? Ouais, parce que vu qu'il n'y a pas de modo, il n'y a personne qui peut supprimer ton message. Bah, ouais. Étrange. Colo bientôt, je veux terminer mon colo dragon. Ah, il est trop beau. Elle a envoyé, c'est le gros œil. Ah oui. Avec la bille dans l'œil. Oh, il est dur celui-là. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça se trouve, Laurent, c'est parce que tu as dit une bêtise qu'il a été supprimé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit comme connerie, Laurent? C'est la seule explication. Hein. Ouais, je vois que ça.
Avec l'aide colo, on efface, on est efficace. Pourquoi? Pour la gestion des commentaires? Pour le colo? C'est parce qu'en fait, ils veulent être modo. Ah, du coup, je crois. Ah, du coup, elle... Non, mais je pense parce qu'elles ont été modo sur un live, je ne sais plus si c'est Clio ou Ad, ouais. Où il y avait des, ah, des trolls. Des trolls. Je pense que c'est ça. Allez. Il est beau cet œil de dragon. Ouais, ouais, grave. Il y en a pour un moment, par contre, l'élu. Quoi? Bah, rien. Bah ouais, vas-y. On va au bout de ta pensée, on veut savoir. Moi, j'ai vu ton regard, mais les gens, ils n'ont pas vu. Oh, j'aurais dû prendre une palette et puis faire avec l'aquarelle. Et il n'y a pas de rose dans une de nos palettes? Si, dans celle de Clio. Bah, pour mais ça a marché ou pas? Bah, pourquoi ça ne marcherait pas? Bon, c'est bon, c'est du rose. Puis c'est bon, c'est nous les... T'es vraiment une tricheuse, toi. Non, parce que je peux te dire que si je trichais vraiment, je tirerais une palette jolie. Hein. Non, mais arrête, elle est belle, ta palette. Mes palettes, elles sont toujours dégueulasses. Non, mais arrête, ma palette, elle est dégueu. Oui, ta palette, elle est dégueu. Bah, c'est pas moi qui l'ai tirée, c'est mon fils, alors tu vois ça avec lui. Ah, elles sont belles, les palettes. Je ne sais pas si vous les avez vues ce mois-ci. Ah, moi, j'adhère pas trop. J'aime bien celle de Clio et celle de Ad. Non, mais attends, celle de Ad, on a fait tout le mois dernier. Oui, mais c'est pas grave, plein de verres pour faire du mariatrol, c'est bien. Ah, Lette, elle a supprimé Nat. Elle voulait supprimer ses bêtises, elle a supprimé Nat. Bien joué. Mais comment Lette, elle peut supprimer? Mais non, mais pas sur ici, sur peut-être Clio, je pense. Je suis perdue. Bah ouais, il est dimanche soir, 21h30. C'est dur, là. Parce que ça manque de chocolat. Ah, ça y est, tu veux attaquer direct? Non, pas encore. Là. Attends, j'ai encore les salades de Teddy sur le ventre. Ouais. T'as même pas pris de dessert, alors. Non. Et hop, un petit tour via Vinted pour des petits polis. Mais grave. J'en ai déjà 50 qui m'attendent. C'est clair. Je ferai un prix d'amis. Je les revends 10 euros plus cher vu qu'ils ont passé chez moi. C'est ça. Et hop, un petit tour via Vinted. J'ai plus que les os à faire. Ah, t'as bien avancé alors, Steph. Cool. Ah bah tu vois, Scylla trouve que la tienne, elle est inspirante. Ah merci Scylla, c'est mignonne, puisqu'on ne me respecte pas ici. Bah après, c'est vrai qu'il y a du bleu, après c'est un peu brouillard et tout, il y a peut-être moyen de s'amuser quand même. C'est un peu déprimant quand même, comme palette. Ah oui, il ne faut pas mettre la tête en modo. Toga, mais je crois que pour mettre en modo, faut que tu ailles sur YouTube. YouTube Studio. Non, YouTube. Non, faut que tu sois en live. Ok. Et tu ailles sur YouTube là. Ouais. Il me semble, je sais plus comment j'ai mis des modos moi. Et pour info, j'ai les points de chaîne sur Twitch. J'ai tout créé cet après-midi. Comment j'ai hâte de voir. Ouais. Donc, le prochain live qu'il y a, il y aura les points de chaîne. Enfin! Les cornes depuis le départ, je dis les os, personne ne m'a repris, mais à toi de... Non, mais moi, ça me va bien, les os. Hein. Tu trouves ou pas? Est-ce que tu veux déjà que je parle, moi, sur le chat, vas-y, pour que tu me mettes modo? Je pense que je peux. Tu ne racontes pas de bêtises, par contre, sinon je te vire direct. Hein. Ouais, je me disais les os bizarres, mais bon. J'ai pas cherché après, comme j'ai pas vu le. Vas-y, essaye. Moi, je t'aurais pu me mettre un cœur au moins. Oh, je t'avais dit, attends, je vais mettre un pouce. Ouais, mets un pouce. Tu me dis quand t'arrives? Modérateur standard, modérateur gestionnaire. Oh, je sais plus, moi. Bah ouais, je vois ça. Si on voit enfin les années, c'était. J'ai mis un message et il a sauté. Voilà, vas-y, refais un message. Non. Non? Il n'y a pas de clé. Ah si, bah pourquoi là j'ai une... Ah si, c'est bon, j'ai une clé. Ah. Vous êtes désormais modérateur. Waouh, comment t'as trop la classe? Ça te fait quelque chose ou pas? Ah ouais. Oh là là, mais son regard, il disait, mais je m'en fous, royal. Et puis il me fait, ah ouais. Donc, c'est maintenant qu'on n'a plus de live. Plus ou plus de live?
Ah, ça. Moi, je sais pas comment j'entends. En tout cas, il y aura des lives. C'est trop marrant. Et vous en avez trop marre d'elle ou pas? En plus, c'était galère pour mettre les points de chaîne. Ouais, t'as galéré de ouf. Après, ouais. J'ai galéré. Fallait mettre des pixels sur les images. Parce que j'ai pas voulu mettre les trucs standards de Twitch. Parce que sinon, c'est des bulles. Donc, j'ai mis des petits icônes pour les abonnements. J'ai mis des petits icônes pour les points de chaîne. Alors, franchement, Icônes des icônes, tu dis comment toi? Tu vois, des petites icônes, ouais. Des... Tu vois, le Z, on entend vachement. Tu dis des icônes? Ouais. Ouais, des icônes? Ouais. Vas-y, c'est ça. Plus, pas. Ils veulent plus de live. Nathalie, elle veut plus eux. Et comment tu peux savoir que c'est plus eux et pas. Pas. Et pas pas? Je sais pas, j'imagine. Je suis dans l'optimisme. Ah oui. Ouais. Ah parce que ça pourrait être ironique et dire genre maintenant que tu as tes points de chaîne, tu vas plus faire de live. Ah oui, t'aurais dû mettre soit SE à la fin de plus ou alors plus avec un plus. Ouais, un c'est signe. Ça. Parce que là, on est encore ouais. Dans le fou. Elle là, est vénère. Pas du tout, elle là. Est vénère. Tu mets t'écris plus avec deux SE à la fin. Si tu veux plus. Non. On avait trois. Ah oui. Ah oui, donc elle en veut moins. Non, elle en veut plus, non? Non, Nat, elle m'aime trop. Elle veut plus de live. Elle est gentille, elle. T'as pollué. Regarde, non, vas-y, on dirait que c'est ton fils qui colorie, là. Mais ouais, et alors, t'as quelque chose à tout à fait, Élise. Je vais lui dire ce que t'as dit, par contre. Arrête, parce qu'il m'aime bien, maintenant, ton fils. Je pense que je vais en faire deux fois par semaine, Nat. Ça va. Bah, en fait, si là, du coup, maintenant que je suis affiliée, parce qu'il me fallait un certain nombre de lives en un mois, vous allez avoir, c'est automatique, des points de chaîne. Ça veut dire que quand tu vas regarder le live, tu vas accumuler des points de chaîne qui vont être en bas du chat, tu verras. Et en fait, après, j'ai mis des récompenses. C'est des trucs marrants. Hein. C'est-à-dire que quand tu as 10 000 points de chaîne, bah, tu as une connerie. Non, je n'avais pas donné l'exemple. Faut leur donner envie de venir, faut créer du suspense. Quand tu as 10 000 points de chaîne, eh ben, tu pourras les dépenser contre quelque chose. Et ainsi de suite. Et après, c'est pareil. Quand je ferai des sondages ou des. Tu pourras dépenser tes points de chaîne comme ça. Alors, c'est des trucs marrants, hein, ce n'est pas des trucs sérieux. Hein. Mais du coup, c'est, moi, j'aime bien. Je trouve que ça. Ouais, ça. C'est, ça crée quelque chose, quoi. Ça dynamise. Exactement. Et j'ai même créé un truc que je n'ai jamais vu sur aucune autre chaîne. Waouh, Tina, ouais. Carrément, t'arrives, Tina. Ouais, j'arrive, Tina, bam. Tu poses tes. Bon, j'espère que ça va marcher. Valérie, pas moi. Ah, c'est gentil. Non, elle a peur de ne plus. Moi, je veux que quelqu'un écrive plus avec deux SE quand même. Ouais. Bah, peut-être qu'ils ne veulent pas. Parce que les autres ne sont pas gentils. Ah, c'est là où tu vas faire des défis. Oui, des défis, des gages, des. Enfin, bon, bref, vous verrez ça la prochaine fois. T'as réfléchi encore ou pas? T'as mis en place? Ouais. Parce que tu m'as rien dit tout à l'heure. Hein. Mais non, mais je te montrerai tout à l'heure, on pourra changer. Hein. Ouais. Mais t'étais pas là? Bah non, je sais. Mais non, mais j'en ai mis quelques-uns en place, mais je voulais te demander. Ah, ok. T'inquiète. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aimer trop de mouiller ça. Mouah, te faire quoi un thermocard avec des polychromos, on pourra. Tu pourras. Plus. Non, mais t'as vu comment c'est dégueulasse? On dirait pas un truc allemand un peu? Plus? Non? Plonge? Plus. En allemand, c'est plus. Limite, ça fait penser à mon nom de famille, le truc. moi, je veux beaucoup. Oh là là, j'en veux beaucoup, Mélie. C'était 4 lives pour avoir ses points de chaîne. Ça va changer. Bon, c'était de l'humour, mais avec ton analyse à 2 balles, ça tombe à l'eau. Ouais. C'est croate, on va bien se. Non, mais mon humour à 2 balles. Moi, non, mon analyse à 2 balles. Bon, les deux. Plus de lives, plus. Oh là là, mais comment ils essaient trop de t'acheter. Et vous n'aurez pas plus de points de chaîne. Hein. Ah ouais, alors moi, je vous annonce direct, les points de chaîne, j'ai pas le droit d'en donner. Ah ouais? Non. J'ai pas le droit d'en donner, j'ai pas le droit de faire des échanges. Oh, non, pour de vrai. J'ai regardé des tutos cet après-midi. Wow. Vu que j'étais toute seule et que je ne savais pas faire. Ouais. Bon, t'as pas fait que ça non plus. Non. Ça se tombe en réveillant de la sieste. Ouais, voilà. Ouais, on va bien se marrer. Franchement, j'ai hâte de voir. Tu vas pas faire un petit live pendant que t'es chez moi? Bah, si tu veux. Comme ça, on va pouvoir. Bah, vas-y, mardi. Moi, je vais au spa, toi tu l'aimes, et moi je regarde le live sur Twitch pour pouvoir te faire des quadrilles. Non, mais de toute façon, vous ne pourrez pas en un live avoir assez de points. Hein. Mais là, on en a. Ah non, on n'en avait pas. Bah non, vous n'en aviez pas. Oh, c'est beau ça. Hein. L'eau sur le papier? Ça passe, mais c'est beau. C'est moi là, j'ai la pression. Tu m'as dit que je colorie comme mon fils.
Elle nous a juste demandé de lui écrire plus. On lui fait plaisir, c'est tout. Ah ouais. Oh, mais comment ça continue de vouloir t'acheter? Ah, mais c'est clair. Vous êtes mignonne. Oh, ça va. Ça va transpercer. Bon, bah, ça se passe bien. Il est poli. Et oh, j'ai pas mis interdit au moins de 18 ans, là, donc s'il te plaît, surveille ton vocabulaire. Mon fils, il va te rattraper. Hein. Lili, c'était un gros mot. T'allais dire qu'il faut attendre mardi pour avoir ton thème du mois. Ouais. Dur. Bah, sinon, je peux la publier demain, la vidéo, hein, si vraiment vous êtes en passion. Moi, je m'en fous, je sais. Non, mais ce rire machiavélique que t'as, c'est... Claire me demande dans quel livre du coloris. Dans le livre de la mort. Elle te montrera après, c'est un Rita Berman. C'est lequel, celui-là? Le repas? Le recueil de saison. Ah, c'est le recueil de saison, celui-là? Ouais. Désolée, je vous tourne, mais... C'est dans le recueil des... Parce qu'en fait, Rita Berman, elle a fait un livre printemps, un livre automne. Enfin, bon, bref, on va tous les faire. Bah si, vas-y. T'as un livre hiver et un livre été. Vas-y, oh. Bah, si tu fais un live, ça sert à rien, toi. Pardon. Et elle a fait un livre avec le best-of des 4 saisons. Je sais pas parce qu'elle est à la caméra. Attends, pardon. Putain. J'ai vu une goutte d'eau arriver sur mon coloriage. J'ai vu qu'on n'allait plus devenir amis. Tu m'as fait sécher ma partie là. Ça fait tout cracra maintenant. Et ouais. Bah, c'est pas colorié, ça en prend un mois. Je colorie pas, j'aquarelle. Bon. Je prends en cours. J'ai juste une question. Pour Lydis, comment on participe au moins Maria Troll? Où on lui envoie ses colos, des colos. Eh ben, tu m'envoies ton colo sur Insta, en conversation privée. À Lilis Colo. À Lilis Colo, tu m'envoies. Et puis après, le jour du live, je les diffuse. C'est quand le live, là, pour... C'est bah, dimanche prochain, du coup. Okay. Ah, ça devait être dimanche, là. Non, bah non, c'était limite, parce que tu sais, ça, on est le 31. Donc, le hasard a bien fait les choses. Ouais, donc tu m'en veux pas, on peut continuer à être amis. On peut continuer, et puis au pire, j'aurais diffusé les colos chez toi. Hein. Ouais. Enfin, toi, c'était pas non plus la fin du monde. Hein. Moi, j'aurais pas été d'accord, peut-être. Coucou Vanessa. Coucou Vanessa. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait bien ton fond, Ellie. Merci. Je galère un peu, j'avoue. Parce que ça fait bien ton fond, on voit rien. Ouais, et puis ça sèche vite en plus. Parce que vous n'êtes pas déjà amis. Non, on n'est plus amis là. Non. D'ailleurs, je ne sais pas où tu vas dormir ce soir, mais. Tu vois, déjà, c'est vrai que tu m'envoies ton chat, ça suffit. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle est en panique de mon chat alors que il est. Genre, c'est pas un vrai chat. Ah ouais, il m'a marché dessus dans la nuit. Oh, mais attends, et puis. Ça pèse rien du tout, ça. Mais non, moi j'avais peur. Non, mais je veux dire, il a très. Je me suis dit, imagine, je le pousse et il sort ses griffes. Il a plus de dents, il a à peine des griffes parce qu'on lui coupe. Donc, imagine, il perd ça. Mon Dieu. Oh, un achat de livre pour Clem. Alors, tiens, Clem. C'est celui-là. C'est écrit en allemand. Il coûte pas très cher sur Amazon si tu veux cliquer. Hein. Et puis, bah, du coup, il y a plusieurs... Attends. Il y a plusieurs images au fil des saisons. Oh, mais du coup, ça fait là, ça. Donc, voilà, c'est bien. Après, c'est fourni. Hein. Il y a des illustrations plus fournies que d'autres. Et bon, bah, le papier, il a vu. Hein. C'est pas, tu penses, j'ai pas mis de noir. Tu penses que je mets du noir ou je laisse comme ça? T'as pas laissé de blanc, là, hein? Bah, j'ai essayé. Ouais, t'as pas laissé de blanc. Fais toute la chevelure, au pire, tu passeras... Mais là non plus, j'avais pas laissé de blanc. Bah ouais, moi, j'aime bien quand on laisse un peu de blanc. Mais bon, après, du team. Hein. Alors... Ah, là, déjà, Rita Berman. Ah ouais, c'est vrai, regarde, il n'y a plus de message de Laurence. Bah... Elle avait écrit un message? Non, mais depuis qu'elle dit que son message il a été supprimé, il n'y a plus de message de Laurence. Bah, c'est bizarre. C'est chelou. Vous voyez pas mes messages? Alors là, il est écrit, vous voyez. Laurence, tu parles? C'est chelou. Je vois des polis sur l'image, il faudra que je regarde la demi-heure que j'ai loupée au début pour savoir comment ils sont arrivés là. Ah, c'est les polis de Ellie Véro qu'elle m'a prêté.
Comment je peux voir si j'ai... Mais de toute façon, j'ai rien fait avec mon téléphone, donc... Mais moi, les araignées, c'est pire. Moi, je pleure et... T'as plus peur du chat ou de l'araignée ? Non, les araignées. Ah ouais. Non, mais j'ai fait des trucs de bâtard avec ma mère, avec les araignées. Ah ouais. Il y a une fois, j'étais dans le parking de mon père. Ouais. Et là, je monte dans la voiture. Heureusement, j'étais dans la voiture. Et je vois une araignée sur mon pare-brise extérieur. Ah ouais. Mais un engin. Il y a un mec qui arrive dans le parking, je klaxonne parce que je pouvais pas ouvrir la portière, j'avais trop peur. Et le mec, il m'entend klaxonner, il va se dire c'est quoi cette fois, il est monté dans les immeubles. J'ai appelé ma mère tout le trajet pour arriver jusque chez elle pour qu'elle tue l'araignée. Je ne pouvais pas sortir de la voiture en fait. Ah oui. Et ma mère me dit mais c'est bon, elle va s'envoler, nanana. Donc les trois quarts du trajet, elle était sur mon pare-brise. Et à un moment, je la vois plus et je tourne la tête. Elle était sur la vitre passagère. Ah oui. Je suis arrivée en bas de sa mère, elle l'a tuée et je suis repartie. Mais elle était genre araignée. Non, elle était... non, franchement, elle était comme ça. Tu te souviens de l'araignée que je t'ai envoyée il y a 2-3 ans. Ah non, mais tu ne m'envoies pas ça. C'est... Ah non, non. Tu m'as pas répondu. Mais je ne pouvais pas sortir de la voiture, je te jure, j'étais bloquée. Même pour conduire, ma mère, elle avait peur, je pleurais. Enfin, ah non, mais les araignées, c'est un calvaire. Enfin, je veux dire, moi, je me suis déjà vue rentrer, j'étais chez quelqu'un, je suis rentrée chez moi parce qu'il y avait une araignée. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et au taf, quand je vois une araignée, j'arrive, je pleure, je suis tétanisée et maintenant les gens ils me disent allez où quoi. Ah ouais, tu peux même pas la tuer quoi. Ah non, mais moi j'ai déjà laissé des patients. Hein. J'étais en train de faire un pansement, j'ai vu une araignée, j'ai laissé le patient la jambe découverte et. Non, mais elle est horrible cette tuer. Ah ouais. Ah non, mais de ouf. Ah ouais. Non, non, vraiment les araignées c'est. Et on m'a dit, je vais voir un psychologue pour ça. Bah après, ça t'handicape pas. Non, ça m'handicape pas non plus. Ça t'en croise pas non plus tous les jours. Non, quoi, non. Mais non, non, c'est vraiment... les toutes petites, tu sais, avec les grandes pattes fines, ouais. Celles-là, ça va. Franchement, d'accord. Je les tolère. Mais au taf, on a des trucs... Ouais. Tu sais, il y a plein de verdure autour de nous et on a des engins. L'autre fois, j'ai ouvert le classeur, il y a une araignée qui est sortie du classeur. Le patient, il avait le ventre à l'air, je suis partie. Comment ? Et c'est bizarre, ils reprennent des rendez-vous après. Ils reprennent des rendez-vous après. Alors, attends, on en est où ? À la fin, le noir, ok. Je parle plus, je me délaisse, je me délaisse pas. Oh, tu boudes, mais non. On t'envoie des cœurs. On t'envoie des cœurs. Bah, tu vois, s'excuser. Laurent, bah, déjà, elle l'appelle Laurent. Alors, déjà, à Laurence. Je me suis rendu compte que tu n'écris pas moi non plus. Je ne laisse pas de blanc dans les cheveux. Non, mais un peu de respect sur mon live, là, s'il Laurence, vous plaît, je vais partir. Mais coucou, oui, Aurel. Coucou, Aurel. Et bah, vous ne mourrez pas en présence de Lys. Oh ben, ne mourrez pas en présence. Ah non, ah ouais, c'est clair, il y a quelqu'un qui fait un arrêt, tu le laisses. Non, parce qu'après, je pense que dans l'urgence, tu... Oui. Mais là, toi, le patient, il n'était pas en danger, il avait juste le ventre, la cicatrice à l'air, quoi. Et il m'a vu partir, il m'a entendu pleurer. Ah, mais tu lui as même pas dit. Ah non, mais j'ai pas le temps de lui dire, moi, je suis partie. Et quand je suis revenue, il m'a regardé, tu sais, il avait un sourire, j'ai dit, on n'en parlera pas. Bon, c'est un patient qui vient souvent, mais... Moi, je préviens pas. Et après, tu sais, je préviens pas, je pars. Et il y a une secrétaire qui arrive, qui tue l'araignée, qui repart et je rentre. Tu vois. Ah non, en plus, c'est les vieux immeubles, il y en a partout. Ah là là. Et j'ai l'angoisse de me dire, si j'ai un jour il y a une araignée chez moi, déjà, il y a une fois, il y avait une araignée dans ma voiture. Ouais. Et ben, je me suis arrêtée et j'ai demandé à des gens sur le trottoir qui viennent tuer l'araignée. Mais la honte, quoi. Bah, la honte, mais tu peux, je ne pouvais pas conduire. Ouais. Je pouvais pas conduire, j'avais l'araignée qui était suspendue au rétroviseur. Ouais. Je pouvais pas conduire. Ah non, mais moi, c'est pareil, je m'arrête. Le jour où je monte dans la voiture, il y avait une petite araignée sur le volant. Et puis, Teddy, il était à côté, il conduisait avec l'autre voiture. Et du coup, il a vu que j'étais comme ça, il est venu, il a tué l'araignée. Ah non, mais c'est... Enfin, je pense que je pourrais faire un accident avec une araignée, hein, vraiment. Mais là, c'est un truc de ouf, t'as conduit, t'avais l'araignée comme non, ça. Non, mais en fait, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée, je sais pas, je vais être un feu rouge ou quoi, j'ai regardé et j'ai vu le... Mais quand elle était sur le pare-brise extérieur, t'as roulé de chez ton père à chez ta mère. Bah, j'ai pas eu le choix. Ouais, donc t'as roulé en regardant l'araignée, quoi. Bah, j'ai roulé en me disant que heureusement que ma mère elle habite pas loin. S'il vous plaît, ne roulez pas vers chez elle. Il y a des sages antiphobie pour essayer de dominer cette peur. Ouais, bon, après, toi, je me dis, ça m'empêche pas de vivre non plus, mais c'est vrai que. Et t'es allée chez Ad. Ouais, et chez Ad, j'en ai vu aucune. Ah ouais, parce que pourquoi c'est réputé chez Ad pour avoir des araignées ? C'est chaud les phobies. Moi, c'est... Ouais, mais les serpents, t'en croises pas tous les jours. Hein. Bah ouais, c'est clair. Bah, après, ça dépend où t'habites. Mais... En voiture, c'est affreux. J'ai un mauvais souvenir avec ça. Ouais, je ne demandais jamais de faire un pansement. Non, mais un pansement, s'il n'y a pas d'araignée, ça va, je gère. Tu te retrouves les fesses à l'air. Et ceux que je n'ai pas encore salués. Coucou Sophie, coucou, bienvenue. Sophie, appelle ton voisin migraineux. Heureusement que tu n'habites pas à la campagne. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Non, franchement, c'est chaud. Tu sais, moi, quand j'entends les collègues qui me disent « j'ai la phobie des araignées »,
Ouais, mais en ouais. fait, quand t'as vraiment la phobie, et ceux qui te disent qu'ils ont une phobie ouais. et juste qu'ils poussent un petit cri, ouais. ça te fait un peu. Non, moi j'ai peur, mais c'est pas. Moi, je comme ça, quoi. Enfin, une fois, il y avait une araignée sur mon balcon, j'étais en école d'infirmière, j'ai appelé une copine pour qu'elle vienne tuer l'araignée sur mon balcon. Parce que du coup, je me suis dit, si elle s'échappe, et j'étais debout sur ma chaise à surveiller l'araignée pour pas qu'elle s'échappe. Les gens me disent, avec un balai et tout, et je sais que c'est insensé. Mais je vous dis, imagine, elle grimpe sur le balai. Ah ouais, non, mais moi, je peux pas, je préfère lui mettre un coup de chaussure ou je sais pas, je jette des trucs. Et par contre, t'es allé dans des pays tropicaux et tout, t'avais pas peur des migales ou des trucs comme ça? Bah écoute, j'en ai pas vu, il y a juste en Thaïlande, à un moment, le guide il s'arrête, il dit, bon. On va faire une petite visite qui n'était pas prévue sur. Ouais. On va visiter l'île des araignées. Moi, j'y suis pas allée, je suis restée dans le car. Et mon copain de l'époque, il commence à me montrer des photos. Je ne faisais jamais de la vie. Ah ouais. Enfin, toi, c'était vraiment ouais. que ouais. ça, quoi. Ouais. En liberté. En liberté. Moi, j'étais dans le car, j'ai attendu 2 heures. Ouais. Moi, je vais pas l'avoir. Mais moi, je ne laisse même plus rentrer les gens dans le car. Après, à chaque fois que je suis partie, on est en Thaïlande, c'était des voyages organisés. Donc, on dormait pas non plus n'importe où. Ouais, mais même. Non, il y avait plus d'autres bêtes que des araignées. Ah ouais. Ouais. Mais bon, évidemment, j'avais peur, mais moins, quoi. Ouais. Mais après, je suis pas sûre un jour d'aller au Sénégal, tu vois, par exemple, tu vois. Ouais. Moi, c'est pas ça qui me ferait flipper, ce serait les serpents, là. Hein. Ouais, tout. Enfin, moi, je suis pas une nana de campagne, de toute façon. Mais tu sais où. J'ai été à New York, c'était bien. Tu sais où. Oui. Hein. Ouais. Arrête. Elle va pas dormir. Merci d'être gentille, toi, au moins. En plus, j'ai mis un message pour dire à Alice que je connais un mystère de la princesse et la grenouille. Mais tu l'as vu le message de Laurence? Mais c'est quoi? C'est sur Discord? C'est peut-être pas ici. J'ai mis un message. Je l'ai pas vu. Peut-être t'as mis un message sur Insta. Mais non. Mais Laurence, franchement, c'est pas contre toi. Hein. Non. J'ai peur à en pleurer et pourtant j'en ai à colorier. Ouais, bah c'est peut-être ta thérapie, Steph. Hein. C'est ça. Ah, mais moi, je peux en colorier. Hein. Ah, tu peux en colorier? Ouais. Lette, elle essaie de communiquer. Ne va pas en Australie. Oh, ouais, mais il y a des trucs de ouf là. Oh. Bah, pardon. En Birmanie, on avait des serpents. Oh. Ah ouais, horrible. J'aime pas mes araignées, mais à ce point, horrible, ma pauvre. Teddy, il avait une araignée dans un vivarium. Oh, et après, elle a fait des bébés et tout. Non, j'étais pas avec lui. Hein. Crois-moi, j'aurais jamais permis ça. Oh. C'est clair. Là, je te regarde, tu commences à baisser dans mon estime. Hein. Enfin, bon, bref, voilà, c'était la petite. Et vous avez des peurs? Ça parle d'araignées un peu. Ouais. Bon, bah, je suis pas convaincue. Peut-être mettre du pastel là-dessus. Bon, c'est bof, non? Non. Il y a juste là une grosse délimitation, là. Ah ouais. Bon, je ne sais pas si je peux rajouter maintenant. Mais si, j'ai dans le chat. Bon, c'est pas grave, les filles. Je blague, je ne boude pas. Ah bah non, heureusement que tu ne boudes pas. Dans le chat, mais on ne l'a pas vu. Ouais. Ça me rassure que tu ne l'aies pas vu non plus, parce que... Mais non, pourtant, on regarde, on est quand même assidus, je pense. Moi, j'ai la phobie des guêpes et frelons. J'aime pas l'été. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Après, en région parisienne, il n'y en a peut-être pas de ouf non plus, si. Tu élèves des araignées laites. J'aime pas, cela dit, j'aime pas mes araignées. Ouais. J'ai peur des souris. Ah ouais. Ah, les souris aussi. Ouais. Ah, une fois, il y en avait une au taf. Putain, mais c'est tout travail pour ça. Ah ouais. Ah, tu sais, c'est les vieux immeubles. Ouais, une souris, ça va. Un rat, par contre. Ouais, bah bon, j'étais contente que ce n'est pas moi qui suis tombée dessus, quoi. Tu vois. Les rats, c'est chum. Il y a des rats, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, dans ma ville, là, ah ouais. Tous les matins, quand je partais, qu'il faisait nuit, ouais. Eh ben, j'en voyais. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ils traversent, ils vont se cacher je sais pas où. Puis c'est fade avec leur grosse queue et tout. Ah ouais, franchement, l'autre fois, j'étais même à la fenêtre. Tu sais, j'ai dû me servir mon verre de lait ou ouais. Je sais pas, et j'ai vu un rat passer. Il y en a de plus en plus. De toute façon, les gens sont de plus en plus sales aussi. Hein, donc bon. J'ai peur souris, rats et crapauds. Oh, c'est marrant que tu aies peur des crapauds. Enfin, c'est pas très joli, mais. C'est dégueu. C'est pas le genre de truc qu'on entend souvent, là. Non, c'est crapauds. Vrai, des crapauds. Aucune peur au point de me sauver. J'aime pas trop les souris, mais pas vraiment peur. Ok. Ah, c'est bien, tu vis sereinement. Alors, je vais expliquer ça. Mais si là, ça gêne pas de les colorier, ces souris rares. Ah ouais. J'aime pas trop les bêtes non plus. Celles qui rampent et celles qui volent. Ouais, en fait, toutes, quoi. Yep, dans mon appart, il y en a tout le temps. Steph, Romain les tue parce qu'Arthur et moi, on les aime pas. Ah bah, Après, en général, dans nos livres de colo, les trucs qu'on n'aime pas, ils sont quand même mignons en général à colorier. Oui. Franchement, dans le Rita Berman, il y a une souris qui est trop mignonne. Ouais. D'ailleurs, Marie, elle l'avait colorié, la souris dans le Rita Berman. Ah ouais? Ouais. Je sais plus c'était lequel de Rita Berman. T'as pas des gros rats, des goutons? Oui, c'est clair. Même les araignées, elles sont pas trop moches, je crois. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai colorié. Les cafards. Ah, oh, mais pas des cafards, Marie. Ah,
Les souris, j'en ai une dans ma chambre de près en 2020, la bâtisse Ratatouille est en travaux. Ah oui, ouais. Moi, j'aime pas les bêtes. On ne se moque pas des araignées, c'est Juliette qui gère. Ah ouais? Ça, c'est marrant, ça. J'y sais, il a peur des araignées, ah, c'est ouais. Juju qui gère, alors. C'est clair. Ça m'a fait bizarre qu'il écrive Juliette. Je te jure. Je me suis dit, attends. Mais sans brouiller. Ah ouais. Parce qu'elle a mis les thèses dans son panier. C'est pour ça. C'est parce que Juju, elle a mis un truc dans le panier. Du coup, j'y sais, il est vénère, là. Du coup, il l'appelle Juliette. Il essaie de nous faire comprendre qu'elle est vénère. J'ai peur des guêpes depuis que je me suis fait attaquer par... Ah ouais. Oh là là, ah ouais, horrible. Horrible. Moi, j'ai pas peur de... Enfin, c'est juste que... Juliette. C'est juste que mon père, il est allergique aux piqûres de guêpes. Ah merde. Et une fois, je l'ai vu gonfler. Ah ouais. On a, tu sais, ça mue tout le tralala. Ouais, bah ouais, mais... Et du coup, j'ai peur, mais en fait, à cause de ça, ouais. Tu vois. Ma grand-mère, elle est allergique aussi. Ah ouais, franchement, ouais. C'est impressionnant. Hein. Et en plus, le truc, c'est qu'elle se promène même pas avec son truc... Ah ouais, son aspi-venin, là. Non. C'est ça qui est ouf. Mon père, je crois qu'il a un aspi venin et une piqûre d'adrénaline. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'épinéphrine, non. C'est de l'adrénaline. Ouais, c'est l'adrénaline en général. Et quand le gamin m'appelle pour les araignées, je laisse se débrouiller. Oh, abusé. C'est qui, Juliette? Moi, j'ai horreur des araignées. Il y avait un étang vers chez mes parents, donc il y avait beaucoup de crapauds et grenouilles au printemps. Et un jour, j'ai marché sur un crapaud sans faire exprès. Ah. Moi, on avait un garage chez mes parents. Et puis, on mettait les sabots dans le garage avant d'aller dans le jardin. Et j'ai mis le pied dans le sabot. Je vois, c'est bizarre, j'ai laissé ma chaussette dans le sabot. Ah, ça me dégoûte. Je retire le sabot. Et le crapaud qui tombe comme ça, j'ai mis mon pied dans le... Oh, dégueu. Si là, en PLS, elle a quitté le live. Ah, c'est désabonné, même. Moi aussi, il y en a qui rentrent là. Mais je suis toute seule, j'ai deux chats. Et une qui chasse, l'autre qui les regarde passer. Ah oui. Ouais. Non, mais... Ah, j'imagine ton pied, là. Ah ouais, c'était... Et bah, depuis, je secoue mes chaussures avant de les mettre. Ah ouais, même, ouais. Même là encore? Non, plus longtemps. Mais je le ferais si elles étaient dans un endroit... Oui. Pas sécure, quoi. Ouais. Et un jour, dans notre... Il y a deux apparts. Enfin, deux déménagements, quoi. Ouais. Je sors de la douche et puis je mets ma serviette sur les cheveux. Hop, je fais comme ça, tu sais, pour l'enrouler. Ah, je sais et pas là... si je veux savoir. Non, tu veux pas savoir. L'araignée qui tombe horrible. Ah, elle était moche en plus. La dernière araignée horrible que j'ai vue, c'est j'étais au taf et je sais pas, je voulais faire du rangement. Et on a un sac avec plein de sacs plastiques, oh, tu non, sais, ça, faut pas, que faut les pas. Gens nous donnent et tout. Et tu sais, je voulais les aplatir et les plier en neuf. Ouais, je dis, ouais. En neuf, hein, ouais. Attention. Hein. Ah, c'est important. Ah, c'est trop important parce que comme ça, c'est tout joli. Ouais. Et là, je prends un sac et tu sais, je secoue le sac pour le mettre à plat. Et là, il y a un truc qui sort, qui arrive à ça de ma chaussure. Oh, putain. Je me suis dit, heureusement que j'étais toute seule dans le poste de sang. Parce que t'as crié? Ah, mais j'ai crié, mais là, parce que j'ai pas pu bouger, quoi. Ouais. Du coup, les collègues, elles arrivent même plus en courant maintenant. C'est même plus marrant. Ah ouais? Ah non, bah, ça savent. Elles savent que je suis en train de mourir. Ouais, elles se disent, oh. Non, mais elles viennent quand même, parce que franchement, c'est un cri de la mort quand même. Ouais. Ah ouais, on tire en m'étrange. Ah non, mais je me revois faire. Tu sais, tu secoues ça. Ouais. Et là. Ah ouais, mon Dieu. Je pleure et je jette des trucs dessus, le plus lourd que j'ai. Ah ouais. Elle jette pas de livre à colorier. Hein. J'avoue. Bah moi, le chat, il sert à rien. Ouais, pareil, moi, le chat, si, les araignées, il les attrape, ouais. Il les bouffe, mais quand il veut, quoi. Bonjour. Coucou, Oli. Coucou, bienvenue. On est en train de parler de nos peurs et... Ouais, c'est clair, histoire de bien dormir ce ouais, soir. Ouais, c'est ça, ouais. Nos trucs un peu dégueux, quoi. Les araignées, j'aime pas, mais je les tue si elles sont trop grosses. J'appelle mon mari. Mais je ne suis pas tétanisée, alors que les souris, je grimpe sur une chaise. Ah ouais, non, mais... Ouais, d'un côté, je me suis jamais retrouvée... Ouais, face, face, vraiment, à, face ouais, à une souris, quoi. Elle fuit, quoi. Ouais. Ouais, moi, les rats, c'est dégueu. Ouais. Un jour, j'étais sur un matelas dans la piscine tranquillou. Ah, je sais pas si je veux lire la suite du message. L'énorme araignée m'est tombée dessus. Elle est vraiment venue de nulle part, trop bizarre. Mais ouais. T'avais pas un arbre au-dessus de toi ou Ah, horrible. Ah ouais. J'imagine la scène détente, quoi. Ouais, t'es là, t'as ton petit cocktail et tout. Non, horrible.
C'est marrant quand même, parce que les araignées, c'est vachement une peur commune. Pourquoi on a tous peur comme ça? Ah ouais. Il y a aussi une notion de toi, ça fait des œufs. Moi, mes piqûres de pieds, c'était des piqûres d'araignées. Ouais, tu sais, quand j'étais. Et la piqûre qui est sortie au-dessus, c'était sûrement l'œuf. Hein. Ouais. Ah, quand je repense à ça, j'ai encore des cicatrices. Ouais. Après, on transmet aussi parce que moi, je pense que là, les enfants, tu vois, j'essaie de pas flipper quand je vois une araignée ou quoi, tu vois, pour pas leur transmettre la peur, mais c'est chaud, quoi. Je viens de prendre mon médoc pour dormir. Du coup, il n'y a pas de souci au lit. Bonne nuit d'avance. J'espère qu'on va pas te faire faire des cauchemars avec tout ce qu'on m'a raconté, quoi. Ah, regarde, tu aurais dû regarder ton nombre d'abonnés au début du live. Grave. Les gens restent, donc c'est qu'ils n'ont pas trop peur non plus, quoi. Oui, c'est que tu t'es pas vu. Il y a un gros orage cet après-midi. Bah, je suis pas très rassurée quand ça donne comme ça. Ah ouais, ma mère, elle m'a dit, je l'appelais tout à l'heure, elle m'a dit que ça avait été un bordel dans le ciel sur Paris. Ah ouais. Ça avait tonné, éclair et tout ça là. Bah rien ici. Bah non, j'ai dit ici, il y a eu de la pluie. Vous êtes parti sous la pluie, vous, tout à l'heure. Ouais, on est rentré sous la pluie aussi. Ah ouais. Non, ça allait. Je n'ai pas peur des araignées, mais celle-ci était vraiment énorme, mais horrible. Puis en plus, quand ça arrive de n'importe où. Ouais, grave. Ouais. Ça doit pas. Ouais, le pire, c'est de la perte de vue, quoi. Ah, mais c'est ça. Ouais, ça fait un mois, je crois, un truc comme ça, au lit, que j'ai ouvert ma chaîne. Et là, c'est le premier live. Ouais. Avec Lélise, ouf. C'est le premier live sur sa chaîne, parce qu'elle en a déjà fait avec moi. Oui. Mais sur sa chaîne, c'est le premier live. Oh, carrément le gros bordel. Ah ouais, toi, Marie, on a peut-être 10 minutes. Hein. Ah ouais. Ouais. Les filles, je vous abandonne. Migraine, je vais me reposer. Bah, merci d'être venue. Bonne nuit, Lunette. Repose-toi bien. Merde, je crois pas qu'il y avait du violet dans la palette de Clio. Pourquoi Elsa, elle est contente? Bah, parce qu'elle est contente d'être ici. Ah bah oui, évidemment. Bah ouais. Non, elle est contente que tu aies ouvert une chaîne. Mmh. Il y a Oli qui dit GG. Et GG, tu sais, ça veut dire... Good game. Good game. Sérieuse, mais j'avais le regard de fierté, genre. Elle était là comme elle mettait ses épaules en avant, genre. Genre, moi, je sais ce que ça veut dire. Ah, mon Dieu. C'est pas grave. Ouais, bien tenté, hein. Ouais. Je me suis dit, au moins, grâce à vous, je vais avoir une culture... Oh, franchement, ça passe. Ouais, ça passe. Mais oui, ça passe. Toi, turquoise. Non, tu as choisi celle de Clio pour ce colo. Ah, bah regarde, Tiff a choisi celle de la palette de Clio aussi. Ah non, excellent. Mais toi, il suffit qu'elle fasse au fond turquoise, ça va être la même palette et totalement différent. Tiff, t'as fait ton fond... Ah bah non, elle n'a pas commencé par le fond. T'as fait tes chaussures de quelle couleur? Est-ce qu'elle a commencé par les chaussures? Ah, c'est parce que c'est le premier live de ta chaîne que Elsa est contente. Oh, merci. Putain, ça, toi, c'est des faux culs. Au début, ils sont comme ça. Oh ouais. Attendez, je coupe ce qu'elle a dit. Après, ils disent bonjour. Arrête, ils t'ont dit plus tout à l'heure sur tes lives. C'est vrai. Ouais, en plus, Elsa, elle en faisait partie. Non, mais t'es vraiment mauvaise, toi. Non, mais je la bats de mon live. Coucou, Julia. Ah, elle n'a pas encore commencé, Tiff. Bienvenue, ça va et toi? Saleté. Mais ouais, elle est mauvaise. Bah, j'essaie de gagner des abonnés, mais je crois que ça marche pas. Tu me piques pas mes abonnés. Et Tiff, t'as choisi les palettes pour quel colo? Ça veut dire pour tous les colos de ta pack, t'as choisi des palettes? Non. Non, elle a pris les 4 palettes, elle a choisi des colos, je pense. Non, on va pas faire les 4 palettes. Bah, si, je pense. Lélise, t'es horrible. Oh la vilaine, mais carrément. Non, mais en plus, on va déserter Lélise pour y. Non, en plus, franchement. Mais oui, venez. Franchement, vous êtes trop gentils. Vous m'avez tous suivi sur Twitch. Vous m'avez tous supporté à faire des lives tous les jours, là. Grave. Même si vous voulez que j'en fasse plus. Ils étaient pas 30 à répondre plus, quand même. Ouais. Ils étaient genre même pas 10%. Ils se sont dit, allez, on va lui écrire plus parce que sinon... Elle va pas nous lâcher. Elle va pas nous lâcher. C'est le début du live, ça risque d'être long. Ça fait malaise après. Bah, alors là, alors, Stéphanie, on va en parler de ça. Les méchantes questions pour Lilise. C'est pour la FAQ. Ouais. Parce que pour ceux qui ont vu, j'avais fait une FAQ surprise pour Ellie. Et ouais, en fait, la fourbe. Et en fait, quand j'arrive chez Ellie...
Je ne sais plus pourquoi on parle de story. Ouais, et elle me dit, mais moi, je ne l'ai pas vu ta story. Je lui dis, mais si, je l'ai mis, je t'ai cité. Et elle me dit, mais non, je ne l'ai pas vu. Vas-y, viens. Elle me fait, je suis sûre que tu m'as bloqué. Je lui dis, mais non, je ne t'ai pas bloqué. N'importe quoi. Elle me soutient, elle me soutenait par rapport à j'étais, puis je fais un peu l'idée. Je lui dis, mais je ne sais pas comment on fait ça. Je lui fais, vas-y, viens, on fait une story. Et tu vas voir que tu vas la voir. Et entre-temps, quand on fait la story, je la débloque pour qu'elle voit que je ne l'avais pas bloqué. Sauf que du coup, elle a eu accès à l'ancienne story. Ouais. Donc, du coup, elle a vu la story de la FAQ. Voilà. Ouais, franchement. Et là, je vois quoi ? Je vois mon téléphone et je vois, venez, on fait une FAQ pour Ellie, avec des petits bonhommes de démons et tout. Je fais, mais elle est sérieuse. Ah ouais, franchement, moi, je me suis fait avoir, j'étais dégoûtée. Moi, je me suis dit, si je la débloque, elle va seulement voir mes nouvelles stories. Et les stories, enfin, la story où je l'ai bloquée, elle ne va pas la voir. Mmh. Bah non, elle l'a vu. Non, mais choquée. Et vous voyez, je découvre ça. On avait mangé ou pas ? Non, mais pas mangé. Teddy, elle est en train de préparer à manger. Ça faisait une heure même pas qu'elle était là. Je vois qu'elle me fait des faux plans comme ça. J'ai dit, mais. Alors, du coup, j'attends encore vos questions. Hein, si vous avez. Attendez, je vous menace bon. Avec mon crayon. Il est où la caméra ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous menace si vous avez encore des questions. Allez-y. Franchement, moi, j'étais trop fière de moi en plus. Ah ouais, mais moi aussi. Ah, mais je vous raconte pas comment j'ai explosé de rire quand j'ai. Capté ta story. En plus, j'ai vu son regard coupable. Coucou, Ad. Elle essaie de se rattraper. Ouais, mais c'est trop tard. Coucou, Ad. Bienvenue. Je sais que ça celle de Ad, je sais pas encore. Là, je suis celle de Ellie. Je vais prendre celle de Ellie pour le dogger. Docteur. 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 Le docteur. Le dogger. Le docteur. Tu trouves pas ça fait docteur? Le docteur of the Ad. Ad, t'as entendu? Mais non, c'était pas pauvre Ellie. Le dogger. C'était pour lui faire du contenu sur sa chaîne. Non, mais abusé, franchement, elle a abusé. J'espère que du coup, vous n'avez pas été méchante parce que c'est indécent ce qu'elle m'a fait là. La pire, c'est Marie. Moi, je balance. Non, mais moi, je me suis dit, vendredi, je réalise que j'ai pas de questions pour l'Élise. Et du coup, j'envoie à des clients. Hé, les filles, vous n'avez pas des petites questions à poser à Ellie? Ah ouais, donc toi aussi, t'es une. Ouais, mais moi, je suis une fatche pas trop, tu vois, parce que je demande juste à des clients, tu vois. Qui sont quand même assez cool, tu vois. Assez cool. Ouais. Attends, ouais. Les questions de la reproduction de je sais pas quoi. Non, et mais de... je m'en fiche, t'as combien d'abonnés ? T'as demandé à tous tes abonnés qui sont des gens fourbes en plus. Qu'est-ce que vous pensez du je sais pas quoi au Bangladesh ? Non, mais franchement. Putain. Ah là là, abusé. Ouais, je sais pas si vous avez bien fait, Nathan, franchement. Vraiment, sympa la copine quand même. Pauvre Ellie. Oh, c'est bon, arrêtez. Abusé. Franchement, sortez les mouches. Elle m'invite tous les deux mois chez elle, hein, donc c'est que c'est la pauvre quand même. Mais ah. Elle met la pression pour venir. Elle a entendu. Moi, j'ai plus les mots. Normal. C'est mais choquant. Non, on va la faire en vidéo pour son vlog. Non, mais trop de premières fois ce week-end. Hein. Ouais, premier vlog, premier live, la folie. Première FAQ, du coup, même si c'est une fausse. Ah, oh, moi, ce que j'ai fait. Du kangourou de l'Antarctique. Ouais. Et on en parle de la reproduction des kangourous d'Antarctique. C'est déjà, c'était qui ? Je sais pas. Je sais pas, moi, j'étais pas là. J'ai fait non plus, je crois. Je suis perdue. Voilà, c'est ta faute. Parce que je pense que pour te remettre des idées au clair, il faudrait qu'on mange du chocolat. Ah ouais. Viens, chocolat. Non, je vais y aller. Ad, balance. Qu'est-ce qu'elle balance, Ad ? Ah, c'est Lise. D'ailleurs, Ad, tu dors pas là, genre. J'avoue, c'est bizarre, il est quelle heure ? Il est 22h10. Demain, c'est férié. Ah ouais. Tu n'étais pas à la diète, Lise ? Eh ben, hey, j'ai perdu 3 kilos depuis un mois. Donc, elle a mérité ses chocolats. En plus, tu es allée courir. J'ai été courir ce matin. T'as fait un bon temps, un bon kilomètre. Ouais, franchement. Et je ne me suis pas resservie hier, je ne me suis pas resservie ce midi. Ouais, tu n'es pas resservie ce soir. Je ne me suis pas resservie ce soir. Tu n'es pas resservie demain. Non, je ne sais pas encore. Ça dépend ce qu'on mange. Mais hey, franchement, je suis chez ma copine de coloriage et je vais courir. Alors ça, si ce n'est pas de la motivation. Non, mais grave. Et longtemps en plus. C'est même pas genre aller courir 5 minutes. Elle est partie là longtemps. Enfin, bien longtemps. Et encore, je suis partie une heure, les gens. Bah après. J'ai couru 30 minutes Lorraine. Je suis trop contente. Tu as un truc à voir ? Non, merci.
J'ai limite fait le tour du lac, mais je me rendais pas compte si c'était bientôt fini ou pas, et du coup, j'ai pas forcé. Mais on va peut-être y retourner mardi. Ça remonte vite, oui, mais bon, après, c'est... De quoi qui remonte vite ? Les kilos. Ah bah ouais, mais si tu commences à faire des plans comme ça, faut prendre ce qui est acquis. Hein. Franchement, il y a au moins 2 kilos de chocolat. Pèse. Il n'y a pas plus de 2 kilos. Hein. Ah ouais. En fait, on mange du chocolat parce que les enfants, ils vont pas manger tout ça, ils vont être malades. C'est juste pour les préserver. Hein. Et si je me rappelle. Ah oui. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. T'as été courir, toi, Lorraine, ce matin? En fait, elle a été boire un coup au bar du coin et récupérer quelques chocolats au passage. Ouais, c'est ça. Et j'ai couru juste les 500... Oh, la connasse. Ça. Regardez, à m'acheter un truc comme ça avec un pistolet des enfants, quoi. Je sais même plus ce que je disais. Non, mais c'est... Mais ils ont beau dos, les enfants. Bah ouais, il faut bien que... Elle est dissipée, Ellie, ce soir. C'est infernal. T'as de la chance, j'ai pas de munitions. Bah ouais. Une bonne arme de vengeance. Oh, t'as couru 10 km, mais trop bien. Ah, bien. Parce qu'elle s'est inscrite aux 15 km. Ah, bien. Ouais. Moi, j'hésite encore, donc j'attends. C'est pas loin. Hein. Balance-lui un avocat, voir si elle a des réflexes. Mais moi, je vais dire à tes enfants que tu joues avec leur pistolet. Quoi, c'est ça, mon arme. Super. D'accord. Bon, est-ce que ça colo, là? Non, c'est pas un nerf, quand même. Abuse pas, Ad. Eh, il y a peut-être des confessions aussi. Ah bah oui, il est 22h11. Il y a peut-être des choses à avouer. T'as des choses à avouer, toi? Non, l'air. S'il vous plaît. Vous pouvez pas dire que vous allez tous vous coucher, là, pour qu'on coupe le live. Tu avoues maintenant. Trop la classe, l'arme d'attaque. Putain, t'as repris les munitions. Non, ah, t'abuses. Elles sont tombées. C'est ça. Je suis horrible. En plus, je ne sais pas m'arrêter, moi. C'est un truc de fou. Non, mais depuis tout à l'heure, elle est sur moi. Depuis qu'on est rentrés. Depuis qu'on est rentrés. Elle joue plus que les enfants. Avant qu'on parte de chez ma belle-mère, j'ai pris les pistolets. Camille, on attaque ça dans la voiture et j'ai gardé l'autre. Et Didi m'a taxé juste avant d'arriver, il l'a pris et bam. Bien fait. Vas-y, c'est à toi le chocolat. Oui. On attend Lilise. On veut savoir ce que vous avez acheté. Ça colo, pas vite, mais ça colo. Je sature le colo de mes cornes. Bah, hey, Steph, si ça tu satures, t'arrêtes. Hein, va pas de retaper une panne colo. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ah, mais qu'est-ce que j'ai le droit de manger, moi? Tout sauf les Kinder Surprise. Ah, putain. Bah ouais, non, les Kinder Surprise. Non, mais t'as quel âge? Bah non, pas les Kinder Surprise. Genre, j'ai le droit de manger ça. Bon, à la rigueur, t'en manges un. Non, mais j'ai pas d'autre chose que les Kinder Surprise. Non, mais si tu veux manger un Kinder Surprise, tu peux. Vas-y. Mais d'abord, à vous des crimes. Je vais pas leur manger ça. C'est trop gros, ils vont voir. Non, mais t'inquiète, mais ils en ont plein. Vas-y, il y a 2 kilos de chocolat. Alors, je peux manger ça, là, parce qu'un Kinder Surprise. Mange ce que tu veux, si ça te fait plaisir, un Kinder Surprise. Non, je veux ça ou un Kinder Surprise. Arrête, m'agresse pas. Bon. J'essaie de retrouver la motivation à colorier. Je fais le colo du mois de mars dans le Magical Down. On est le 30, il est en... Non, on est le 31, Aurel. Elle enfonce le truc. La nana qui met pas la pression du tout. Je colo et je crois que je vais être obligée de faire une pause tendinite, je crois bien. Ah merde! Attends, il n'y a pas du sopalin? J'ai fait un cours d'aquarelle hier, trop bien. Le sopalin, il est là-bas. Je vais aller chercher. J'en ai marre. Moi, j'ai été très sage, j'en ai rien acheté. Bah, moi, nous, on a été plutôt sage. Ouais, mais si on vous dit tout là, vous n'aurez plus de surprise dans la vidéo. Bah ouais. On a acheté des trucs. Voilà.
Je partage si tu veux. Merci. Je partage le chocolat à tes enfants. Toi, tu prends ça. Pas de chocolat. Pas elle. Comment j'adore ton bébé. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre du verre dessus. Regardez se disputer, c'est rigolo. Un vrai couple. Qui se dispute? Bah, toi et moi. On ne se dispute pas là. On peut pas se disputer. J'ai une arme redoutable. Coucou, The Bubble of Caro. Coucou, Caro. Moi, je fais court. Hein. Trop bien, je suis court d'aquarelle. Ouais. J'ai pas été sage et j'ai encore envie de craquer. Ah, il y a des moments comme ça. Des fois, ça craque plus que d'autres. Merlin, Mystère, tome 4 et 9 et Muséum sur Vinted. Bien. Ah oui, c'est vrai. Tu avais acheté une quarantaine de muséums, je crois. Ouais. Ben, 40, hein, la boîte de 40, je crois. Non? Trop bien. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Ça, c'est cool. Moi, j'ai acheté... Trop acheté, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Je me disais à la place des chocolats, mais j'ai quand même acheté des chocolats. T'as acheté quoi, Valérie? T'as acheté quoi comme chocolat? Fais attention à la tendinite, ne s'installe pas, vas-y mollo, et évite les crayons de couleur, plutôt l'aquarelle. Ah ouais. J'ai acheté deux fémurs. Ah ouais, je savais pas si j'ai le droit d'en parler pendant le live, mais ça a été aujourd'hui, Ad, et les médicaments, elle les a pris? Je crois qu'elle en a parlé pendant son live. Ah ok, bah j'ai pas vu. Qui fait le portrait, c'est moi, merci. Non, je rigole, c'est l'église. C'est Lilis qui fait le portrait. Moi, je fais les bottes avec le crapaud à l'intérieur. Ainsi, là. Ah, mais t'es bête, j'ai vu qu'il y avait un crapaud sur le dessin. J'ai levé la tête. Moi, j'ai pris des Pablo sur le bon coin. Trop bien. Ouais, Clem, je t'ai déjà balancé, t'inquiète. Elle a pris la gamme complète t'as... Non, c'était les 80. Cool. Mais c'était archi pas cher, franchement, ça valait trop le coup. Non, mais c'est bien, en plus, c'est Pablo. Ah oui, tu les as testés, en plus. Bah, ouais. Elle a été testée à la maison. Ouais. C'est cool, ça. Mais c'est de la chaussure, ça, ou pas? C'est de la chaussure. Mmh. Il veut sortir par moment dans son enclos. Alors, je fais des câlins. Oh! Ah ben, c'est-à-dire, ça va lui faire bizarre hein, de ne pas sortir. Hein. Bah ouais. Trois Kirby, trois mystères. Pardon. Le monde de Narano et tout un tas de fourbiches actions et cultura. Le chocolat, je me souviens pas, ils sont plus là. pas là, pas à manger. Moi, je veux Prisma bientôt. Et ouais, t'as bien raison. Les illustrations, là, c'est Mario Labudec et là, c'est Rita Berman Caro. Ouais, 80 Pablo, c'est bien, t'as de quoi faire hein, déjà. Puis après, il n'y en a plus que, entre guillemets, 40 à acheter à l'unité. Ouais. Ils doivent être à 2,50, un truc comme ça sur le géant. Je sais plus du tout ça combien. Je crois que moi je les avais payés 2,29, mais bon, comme tout à l'heure. Moi j'ai pensé à l'église en achetant des pastels à l'huile sénélier en promo chez Rougier. Oh, 1,50€ le pastel. Oh, trop bien. Parce que chez Créatitude, ils sont passés à 2,29€. Hein. Oh la vache. Alors qu'avant, quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps, avec toi, ils étaient à moins de 2€. Ouais. Non, mais c'est abusé comment tout a pris là. Bon, regarde, les Luminances aussi, ils ont pris 40 centimes. Ouais, les Luminances et Muséum. Franchement, c'est chaud. Hein. Non, mais ouais, c'est... J'ai même vérifié s'il y avait un magasin au Mans, mais ils viennent de fermer, paraît-il. De quoi? Rougier et Plé. Ah non, il n'y avait pas de magasin au Mans. Ah, c'est con, sinon on y aurait été. Hein. Bah, moi, Laurent, ces cheveux-là, là... Ceux-là. Je crois pas qu'il y avait un rougier et plis. Je les ai fait au Pablo. Et franchement, trop bien. Et les polis sont mieux que les Pablo pour les cheveux, à vous. Vous êtes témoins. J'ai trouvé les 80€. Ah ouais, c'est bien. Hein. Ouais, franchement, c'est une trop bonne offre. Hein. Tu vois, ils font moins en fait. Tu fais plus de l'arracher, quoi. Comment Steph, elle doit être morte de rire. Tu vas perdre la thune ce week-end. Les chromaflots en 150 PLS, ils me tardent trop. Bah ouais. J'ai un rougi et plaît à côté de chez moi, dit Aurélie. Bah Aurélie, faut t'aller acheter des sonneliers. Elsa, elle a été sage. Bravo, Elsa. Moi aussi, j'aime bien les Pablo, je pense.
C'est pas aussi sec, mais ils sont bien. Ouais. Bah, c'est vraiment différent. Ouais, c'est ça. Je pense qu'après, quand même, les Pablo, ils sont mieux. Donc, pour les portraits et tout, les pots, c'est plus facile. Ah bah, c'est sûr. Enfin, tu t'y mets moins de temps. J'irai pas acheter les couleurs pots des polychromos, je crois, par exemple, tu vois. Tu les as déjà, je crois. Ah ouais, bah, je te la laisserai peut-être. Ouais, moi je suis d'accord avec Hatt, faut que tu fasses une pause. Deux. Si, si, il y en avait un. Ah, il y avait un rouge qui est plié à. Bah non, mais c'est bon, j'ai... Bah, du coup, j'ai fini ma collection des sénoliers hier. Félicitations. Ouais. Ouais. Donc, bah, trop tard. J'en ai assez des sénoliers, je ne mets pas le pied là-bas, sinon je sors avec un crédit. Ah ouais, tu m'étonnes. Toujours nos bails pour Nat. Eh bien, bravo. Bravo, Nat. Franchement, quand Nat elle va sortir de son no bail, ça va être. Il va pas falloir l'envoyer bien comme Juju, parce quoi. Que la folie du clic. Non, c'est pas Juju, c'est Juliette. Ah oui, ah, putain, mais le Juliette, tout à l'heure, il m'a tué. Vous mangez des nouilles chinoises, Juju et JC, ou pas? Est-ce que vous faites pareil sur le live de Ellie que sur le mien? Toi aussi, t'as acheté des fémurs. Mais Véro, ouais, je veux bien l'adresse du rougier et plaie parce que je suis trop curieuse. S'il te plaît. Toi aussi, t'as acheté des fémurs, Nat. Compliqué de ne pas craquer, mais ouais, c'est clair. Hein. Franchement, en plus, il y a des trucs qui sortent tout le temps. Comment tu veux? Comment tu veux T'as vu l'adresse? Ouais, ouais, j'y vais regarder. Elle a pris direct son téléphone. De ouf. On y va mardi. Je rigole. Demain, non? C'est férié demain. Sinon, bah oui, on y aurait été demain, évidemment. Alors. Ah, vous mangez une quiche. Bah, dis donc. Et on peut savoir pourquoi vous ne mangez pas de soupe chinoise? De toute façon, pour l'instant, juste envie d'aquarelle, même si je finirai un jour ma collection de pannes pastel. Ouais. Moi, je comprends aussi les pannes pastel. J'ai trop envie de les finir, là. Mais le mois prochain, je pense que je vais m'acheter la grosse boîte des 20 pannes pastel foncées, parce que c'est ceux qui me manquent le plus. Et ça va mettre un coup d'accélérateur. Ah, tu n'as pas la tournée aussi des pannes pastel? Bah, ben, si. Ah, j'aimerais bien le voir. Tout de suite ou dans le week-end? Non, non, dans le week-end, t'inquiète. Non, tout de suite, t'as blague. Bon, si tu veux. Hein. Bah, écoute, c'est bien. Tu le vois pas? Non. Il parle d'un artiste. J'ai économisé pour les chromaflow, top aussi les chromaïla. J'ai acheté les Gangna acrylique teint pot à 7 euros sur AliExpress et une trousse. Ils m'ont fait un bon d'achat de 15 euros à cause de mes aquarelles par-dessus. Ah, tu les as toujours parçues, Laurence, les aquarelles? C'est la seule qui les a parçues. Ah ouais, c'est fou. Ah oui, mais c'est, Laurence, elles avaient été écrites livrées. Oui, elles avaient été livrées. Pourquoi mon téléphone il s'allume là? Ouais. C'est pas moi. Mais il s'allume et j'ai pas de notification. C'est trop chelou. C'est une araignée qui est passée sur ton écran. Arrête. J'économise pour les chromaflots, bah ouais. En plus, je pense que là, combien ils étaient, je me souviens plus, mais à mon avis, ça va baisser. Parce que les chromaflots, quand ils étaient sortis en 72, le prix était à 130, 140, je crois, et puis maintenant, on les trouve à 80 euros. Donc, hein. Pas de fémur, moi, je suis solidaire. Demain, on fait l'année de Juju. Juju, fromage, entre ouais. Fromage charcuterie pour 18. Wow. Ah, la vache. Cool. Mais on n'est pas très loin du Havre, hein. Non, je rigole. On est loin du Havre. Ouais, moi, je peux manger de charcuterie, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux manger de fromage non plus, selon le fromage. Non ouais. Ouais, bon, sinon, bah... une soupe chinoise. Ouais, on viendra une autre fois, du coup. Ils avaient ouvert en 2016, mais il a fermé depuis, effectivement, pas assez de curieuses, au Mont, apparemment. Ouais, bah après, c'est vrai que l'attitude, il y a du scrap, il y a de la peinture. Ouais. Enfin... Bah, Rouge et Pie, il y a plein de trucs aussi. Hein. Bah ouais. Moi, je vais à celui dans Paris, là, avec ma soeur, en général. Ouais. J'ai fait un recours et normalement, ils vont me rembourser, mais déjà 15 euros de bon d'achat. Ça... Oui, ça va, mais c'est quand même abusé. C'est la seule qui les a pas reçus. Et en plus, il y en a plein qui les recevaient. Et tous ceux qui me disaient, j'ai reçu, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, perds pas espoir. Oh, t'as enfoncé le couteau dans bah la non, mais j'ai vraiment cru qu'elle allait les recevoir. Franchement, moi, c'est ça que je veux. Ça fait 1,17€ le crayon. Ouais, mais quand tu vois que des fois, ils sont à 67 euros les 72. Tu vois, ouais, descendre les 150. Ouais. Bah ouais, mais ça fait moins d'un euro, là. Bon.
Lightface Drawing et imprimante fin février. Donc là, j'ai pas trop, trop de mérite à ne pas acheter ce mois-ci. Ouais, l'imprimante, ça pique. Hein. Et au fait, Lilise, ils me les ont remboursées. Ah, bah trop bien, parce que là, tu sais, elles étaient humides, elles étaient abîmées. Et, bah tant mieux, sans que je les renvoie. Et ben tant mieux, franchement. Ah, c'est pas Kevin, c'est Amandine qui l'a fait, le colo de Béa Caro. Je pense que c'est ça que tu parles. C'est des cookies maison que mon chéri l'a fait tout à l'heure. Lilise, elle mange du chocolat qui me gâche. Ouais. Non, mais moi, heureusement qu'il n'y a que Art Créatitude et que le Cultura, il est bof au moment. Ouais. Parce que sinon, ouais. Sinon, ça me coûte très cher. Bon, moi, c'est bien. Non, on ça maintenant. Je suis trop dissipée ce soir sur mon colon. Ah ouais, c'est clair. C'est horrible. J'ai commandé des livres de Carolina Kubikowska, c'était un lot. Et il y a les livres de Petra. Petra qui me font de l'œil. Bah ouais, ils sont trop beaux, Steph. Hein. Pourquoi tu dis pas Petra? Petra qui me font de l'œil. Moi, c'est ça. Il y a quoi? Tu sais, j'aime bien la charcute, mais je suis enceinte, alors je peux pas en manger trop. Oh là là. Mmh. Rien que pour ça, je veux pas d'enfant. Okay. Oh, putain, franchement, t'abuses. Putain, regarde, j'ai fait un gros trait. Vas-y, t'es chiant. Putain, ça fait 3 heures que je suis sur mes cheveux, là. Putain. Je te jure, je vais bouder. Mais calme-toi. Oh là là. Elle a pas compris le nom. Vous avez pas compris? Petra. Et là, il y a les livres de Petra qui me font de l'œil. Moi, on me fait répéter les mots en anglais, mais toi, tu joues pas. Hein. Mm-hmm. Petra qui est chez Tova. Mm-hmm. Il y a quoi? Tu as commandé où les livres de Carolina Kubikowska? Nous, on les a commandés sur Rados Pro Maminku. Ils vont croire que c'est une blague, mais c'est vraiment ça. C'est pas une vanne. C'est là-dessus, hein? Ou c'était sur des comètes? Non, c'était pas des comètes, c'était un nom trop chelou. C'était quoi? Ben, ça devait être ça. C'était quoi? Je sais pas, je te jure, je me souviens plus. Je me souviens juste que j'arrivais pas, moi, et que c'est toi qui as réussi à commander et j'avais mis ma carte. Prochaine fois, commande des livres, je ferai sur Etsy. Bah ouais, mais Etsy, ça dépend parce que des fois, c'est trop cher. Ouais, ça dépend ce que tu veux comme livre parce que franchement, quand tu vois les frais de port, des fois sur Etsy. Ouais, c'est ça. Des fois, tu commandes là sur des comètes et c'est moins cher. Nathalie, elle n'a pas compris. De quoi? Le nom de l'illustrateur. Ah, bah remonter, c'est écrit. Ah non, là, t'as pas compris le nom du site. Ah, je peux l'écrire? Vas-y, je crois que tu peux écrire, mais c'est un nom trop chelou. Je pense que si vous mettez ça sur Google, vous allez trouver, c'est peut-être pas ça l'orthographe parfaite, mais... Moi, j'ai déjà commandé 2 ou 3 fois dessus, tout est arrivé. Hein. C'est Nana qui a son compte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en plus, elle vend des trucs d'art. Hein. Ouais. Des crayons pas chers, des aquarelles. Et du coup, des fois, elle met du temps à envoyer, mais on a toujours reçu. Hein. Ah, t'as bien écrit. Hein. Ouais. T'en penses quoi de mes cheveux? Bah, j'aimais bien jusqu'à ce que je te mette un coup dans ton crayon. Je peux en manger un deuxième? Ouais, bien sûr. Bah, tu vois tes cheveux. Peut-être faudra que tu rajoutes du noir sur les extrémités. Hein. Ouais. Vous en pensez quoi de ces cheveux au polychromos? À Strasbourg, 2 géants des beaux-arts et un rougi épais. Mais pourquoi 2 géants des beaux-arts, s'il te plaît, à Strasbourg? C'est clair. Ils auraient pu en mettre un au moins. Tu dois être dans la dépense alors, Véro, avec autant de magasins comme ça. Magnifique. Wow. Merci, magnifique. Merci, Aurèle.
Magnifique. En majuscule carrément. Et tu cries dessus. Magnifique. C'est ça. Non, me dispute pas. Je sais qu'ils sont beaux. Je pense que ça lui prend. Je pense que ça lui prend les polychromos, moi, Lise. Oh, je pense que la question ne se pose même plus. Moi, je boude Lise. Alors, je ne lui dirai pas qu'ils sont beaux, les cheveux qu'elle fait. Qui boude? Elsa. T'as raison, Elsa. À Lyon aussi, deux géants des beaux-arts. Mais pourquoi, en fait? Je sais pas, il y en a combien dans Paris? Ouais, mais Paris encore, je comprends. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup. Hein. Mais Strasbourg, c'est petit. Enfin, c'est petit. Je vais encore m'attirer les foutes de... Trop beau tes cheveux. D'ailleurs, je sais pas si Tiff, elle veut qu'on ait aux gens des beaux-arts quand même bien. Sûrement qu'elle veut y aller. Non, elle sera en Dubaï. Non. Non, elle sera pas en Dubaï. Ils ont l'air bien les cheveux. Ah, Laurence a dit ils ont l'air bien. Laurence, parce qu'elle boude un peu encore. Ouais. Ils ont l'air bien, mais bof, quoi. J'ai postillonné. Bah, ça valait bien la peine de disputer pour mon coup de pistolet, alors. Ah, mais Danou, je t'en donnerai volontiers. On en a trop, en plus. C'est clair. Ils vont en ouvrir un à Reims. Mais Reims, c'est trop loin, Reims. Faut que tu viennes le voir à Paris. J'aimerais bien, il faut que je me renseigne pour le critère. Le critère de quoi? Bah, le critère de la voiture. Bah, si tu passes pas par Paris, on s'en fout. Tu passes pas par Paris? Bah non. Pour venir chez moi, tu passes pas par Paris. Mais si on veut aller dans Paris. Bah, on prend ma voiture. Je peux mettre les sièges autonomes dans la voiture? Bah, bien sûr. Pourquoi tu pourrais pas, non? T'as un isofix? Oh, on les donne à ma mère! La pauvre. C'est quoi un isofix? Tu sais, c'est les barres en métal sous les sièges. Enfin, pas sous les sièges, mais entre le bah, dossier okay, et la sièges. On met ma vignette sur ta voiture. Ah ouais, pas mal. Hein, ça peut se faire. C'est toi qui prends la prune? Ça va, j'ai l'application pour les payer. J'aime beaucoup les polychromos. Si tu me prends par les sentiments, Lilith, ouais, c'est ça. On demandera à Marie. Bah, y a Marie et Clem peut-être qui voudront venir avec nous. S'il a veut savoir ton verdict sur les polychromos. Voilà. Donc elle aime pas. Elle dit ça avec un grand sourire, c'est. Parce que je vois pas bien ce que colorie ils disent. Ah, tiens, viens. Voilà. Ce sont ces cheveux de Marion Labudet parce que je veux me perfectionner en cheveux, là. Tu es loin de Metz, Laurence. On va leur piquer. Ah non, vous piquez pas les chocolats. Ça, je vous le dis direct. Si, allez-y. En plat Paris, je crois, c'est deux, mais j'aurais préféré qu'il y en ait un plus bas, sud. Ah, mais hey, trop sud, Île-de-France, ça aurait été fantastique. Non, ça va mieux depuis que j'ai déménagé à... Oh, vas-y, je le fais. Schiltingen. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. J'ai plus la ligne directe de non, ce qui vaut genre. Schiltingen. Ah ouais, Schiltingen. Ouais, je pense que c'est bien. Elle t'a testé l'aviron. Hein. Pourtant, leurs cheveux sont top, ils disent. Mais oui, ils sont... j'aime bien. Elle t'a testé deux fois. Des gens se remettent à gueuler et je me demande pourquoi. Mais je suis trop bête, j'habite dans le sud et il y a un match. Hein, et qui gagne et savoir si son mec il va être de bonne humeur? Non, c'est Paris. C'est Paris qui gagne? 1-0 pour l'instant. Comment tu sais? Bah, c'est juste demandé. Ah! Savoir si elle peut aller se coucher, Ellie, ou pas. Non, je lui ai demandé si les petits dormaient. Je lui ai dit ça va. Tu sais, genre en mode ça va les petits. Il me répond 1-0, mais je m'en fous. Ah, c'est clair. Ça va les petits, 1-0. Bon, ça veut dire que déjà ils sont pas maltraités, je crois. C'est un de ses livres. Alors, tu parles de quoi, Caro? Je crois que j'ai loupé un message. Je pense qu'elle parle de Petra, tu sais. Petra Jedzikova. Non, je pense en plus, elle parle pas de ça. C'est juste pour t'embêter. Du 11e est mieux que celui du 13e. Ah ouais? Moi, j'ai fait que celui du 13e, Clem. Bon, on ira celui du 11e. Et il était bien déjà, celui du 13e? Ouais, franchement, il était pas mal. Parce qu'on dit qu'il est mieux dans le 11e, c'est ça? Bah, Clem, elle a été à celui du 11e. Après, il y a 2-0, Clem, elle dit. Parce que son mec, il est PSG aussi, je crois bien. Elsa, chez moi, c'est mon mec qui hurle devant sa télé. Ah, V2 maintenant, Lilise, ouais. Bah ouais, je sais que c'est pas loin de chez moi. De quoi, V2? V2, ouais. Ah, je t'épate, hein. Bah ouais. Ouais, je t'épate. On se demande ce que t'allais faire à Paris. Ouais. Ah bah, j'ai été voir des copines. Si vous aviez vu sa tête.
Maria, c'est lequel des livres? Elle en a plusieurs, à moins que ce soit des PDF que tu as mis. Je comprends pas, Caro, tu comprends là, parce que moi, peut-être elle parle de Maria Troll, de ton, ouais, de ton défi. En fait, oui. si c'est de ça dont tu parles, Caro, en fait, tu fais n'importe quel colo de Maria Troll et tu l'envoies à Lilise. Oui, et si tu veux, dans la vidéo, j'ai mis les liens si tu veux voir les livres. En fait, tu en montres un dans ton... C'est ça. J'en montre un dans ma vidéo, mais tu peux faire de n'importe quel livre. Et Maria Troll a peut-être des PDF, des trucs... Non, je suis pas sûre qu'elle a des PDF. Ouais, tu penses pas qu'elle ait des... J'ai jamais... Si, ça, ouais, si, je crois qu'elle a des freebies. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. D'ailleurs, t'as pas fait ton taf. C'est ta manageuse, elle a pas fait le travail. C'est ça. Si là, il est pour qui, lui? Nat, Nancy, un peu moins loin, mais le magasin est plus petit à Nancy. Moi, je suis pour Marseille. Nancy? Nancy? Non. Si. On dit pas Nancy? Je crois pas. Non, là-bas, c'est plus Nancy. Nancy. Laurence, elle est pour Marseille. Ah, Laurence, faut que tu quittes ce live tout de le suite. Le début est pas mal, c'est la fin qui va pas. Dès que tu vois M, il faut penser Haïm. 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 Moi, je colo dans un livre de Mario Labudec sur les cheveux. Marseille, on habite dans Rammstein. Nancy. 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 Moi, s'il disait non, l'autre, il dit si. Nancy. Bah non, j'aime bien Nancy. Nancy, c'est un prénom, c'est plus un... Hey, Nancy. Par contre, en regardant les colos de Maria Troll, je me suis dit que mes goûts en colo... Parce que j'aime un peu moins... Non, mais la menace, même est franchement. Je suis armée. Moi, je me suis dit que mes goûts en colo avaient changé. Ouais, moi aussi, j'aime moins Maria Troll, mais voilà, il en fallait pour tous les goûts. Mais moi, j'aimais bien. J'ai acheté, j'aimais plus. Et puis là, j'ai refeuilleté, j'aime bien. Ouais. On s'en fout. On s'en fout. Je ne sais pas du tout, mais mon cœur est à l'OM et ça, ça ne changera pas. Qui dit ça? Le Hair Inspiration. C'est exactement ça, Caro. Il y a mon mec pour le PSG et mon beau-père pour l'OM. Oh, ça doit être sympa. C'est quoi ce fusil? Vas-y, attends, faut que je te fasse une démo, Danou. Putain, c'est bien parce qu'il y a des verts et des colos. Hein. C'est mes fils qui ont eu ça pour pas que les cloches trop vite. Je vais t'avoir. Au secours, regarde. Et c'est un truc qui lance des munitions. Regarde, attends, t'es prête? Ça va trop vite, tu vois même pas. Bah attends, je recommence. C'est comme tu le dis toi. Et pour la culture, Lily, c'est Metz. Attention, vous êtes prêts? Metz. On dit Metz? Moi, je vais à Metz. Ouais, je crois, ouais. Mais il y a un T. Ouais, mais non, il se dit pas. C'est comme le H dans haricot. Le haricot. Ouais. Comme la Jawaï, quoi. Hein, j'ai encore un missile. J'ai tous les Maria Troll parfois en deux versions différentes. Ah ouais, Véro, Véro, elle va me faire plein de colos le mois prochain. Pourquoi en deux versions différentes? Parce qu'il y a la version mus et la version pas mus, je pense. Ah. La version anglaise, la version je sais pas quoi. D'accord. Les goûts changent, c'est clair. J'aime plus mes premiers livres. Maintenant, j'arrive plus à sortir les portraits. On est où, là? On est là. Ok, merci. La galère, Clem, il y en aura forcément un qui fera la gueule. Bon courage. Ouais. Moi, je suis contente ce mois-ci pour Maria Troll. Ah, bah écoute, il fallait des contents. Ah, moi aussi, je suis trop contente. Franchement, ça fait une paix que j'ai pris. Tu dis pas Paris? Bah non, mais... Bah non, tu dis pas Paris. Arrête avec ton pistolet, j'ai peur. Non, mais là, elle s'y attend trop. J'attends qu'elle oublie un petit peu. Bon, bah en fait, ça m'arrange pas cette palette parce que là, du coup, j'ai plein de couleurs à mettre. C'est quoi la palette? Pour Metz, on dit Metz. Nancy, tu prononces pas le deuxième N à l'américaine. Mais ouais, Lilise, quand il faut faire un truc à l'américaine, elle fait genre en mode en screed. Et quand il faut prononcer, elle est à côté. Moi aussi, je vais faire du Maria Troll. Mais oui, carrément, ça va être bien en plus pour le printemps qui arrive là. Tu sais que quand j'étais plus jeune, je disais Saint-Germain-en-Laye. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Ouais. Ou le blanc Mesnil. Ah ouais? Bah ouais, je prononçais les lettres, moi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est pas totalement idiot. Hein. Bah ouais, t'as des lettres. Pourquoi il y a des lettres alors? Bah ouais. Clairement. Moi, je vais faire les petites fleurs en rose. Hein, Moi aussi, je vais faire du Maria Troll. Heureusement que mon beau-père est moins à fond que mon mec. Ouais, après, c'est ça. Elle est dans le best-of des saisons. Mais ça avance pas. Hein. Ce soir, là.
C'est fou, hein. Ça avance jamais. Ah, mais comment tu me cherches ce soir? Punaise. Attention, j'ai des verres là. Elle a acheté. C'est à ça de moi, vous voyez, à ça. Mais elle est nulle. On donne. Tu veux ça? Tu veux ça? Tu veux ça? Donne la munition. Non. Vas-y, t'en es, c'est trop. Tu vois, si je suis là, il faut que tu vises là. D'accord? Pas dans la tête, ça fait mal. Mmh. Hé, tu tires sur une femme enceinte. C'est bon. Les habitants de Metz sont les Messins. Ah ouais? Elle a commandé le Asian, Danou. Ah, cool. Ouais, ils sont beaux, les... Et vous dites Waterloo ou Waterloo pour Waterloo. Wow, alors c'est Waterloo? Waterloo? Attends. Et vous dites Waterloo ou Waterloo pour Waterloo? On dit Waterloo, je crois. Ellie, j'ai commandé le Asian. Les habitants de Metz sont des médecins. Asahi, des médecins? C'est des médecins? Ouais. C'est tout docteur, là. C'est de l'eau dans le pistolet, mais non! Non! C'est des munitions en. Mais il y en a un deuxième! Il est où? Tes enfants, ils l'ont caché. C'est des pistolets avec des petits projectiles en mousse comme ça, là. Vous voyez, mais ça fait pas mal. Enfin, pas. Si c'est dans la tête, ça fait non, mal. Non, on s'amuserait pas à faire de l'eau sur nos coloriages. Hein. Non. Encore un livre d'aquarelle, pourquoi pas? À la rigueur. Ah, c'est bien, Tari, t'es mignonne. Hein? Tari, t'es mignonne. Bah oui. Pas, franchement, bon. Bah des fois, je fais un effort. Ouais, je croyais que c'était un pistolet à eau, non. Waterloo, c'est le son où? Ah, Waterloo? J'aurais dit Waterloo. Elles vont avoir des bleus. Ouais, mais t'es pas fiable. Ouais. Non, non, non. Je pense qu'il y a une heure où je vais arrêter de la martyriser. Peut-être 23h, qu'est-ce que je sais pas ce que vous en dites. Mais 23h de quelle heure? Comment ça, 23h de d'aujourd'hui ou de hier? De demain. Okay. Donc demain jusqu'à 23h tu vas prendre tarif quoi. Elles vont avoir des bleus. Vous avez commencé il y a longtemps le live, les girls. On a commencé vers 21h. On devait être à 21h, ouais. Et puis comme c'est sur ma chaîne, ben on était en retard forcément. Ouais, on a dû commencer à 21h10 quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu juges? J'ai cru que t'allais sortir le pistolet dans sous la chaise. Elle a faut pas mettre une arme dans les mains de Lilise. On va appeler GIGN. Oh bah. Oh bah vous inquiétez pas parce que c'est pas visé. Alors je vais pas. C'est clair. Puis GIGN, moi je l'attends pour autre chose. Alors. Hein. Fatiguée, oui, facile. On les a perdus. Non, mais moi, ça va. Oh, moi, je sais me reprendre vite. C'est Ellie, c'est... Ah, c'est la jeunesse. On va dire que c'est les hormones. Le niveau d'âge est élevé. Ouais, ouais. Il est fou. Ouf. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et Ellie, Elise. Cacran? Cacran. C'est quoi ça, Cacran, Danou? C'est mignon, Cacran? J'ai Cacran. Ah, c'est ça. T'as quel âge, j'ai Cacran. Ouais, c'est ça. Pourquoi je... Ah non, mais je peux pas en parler en live. Je suis recherchée là. C'est pour ses voisins qui font des choses bizarres avec leurs plaquettes. Voilà. C'est pour le voisin en peignoir, j'y sais. T'as
Putain, il n'y a pas un petit chocolat là. Il y a peut-être un pistolet là-dedans. Ah, ça. Ah, mais non, ça, t'aimes pas, toi, les petits œufs comme ça, là. Bof. Bof. Oh, il y a du petit Smarties, sinon. Moi, j'avais envie de Kinder, moi. T'avais envie de Kinder, toi. Ouais. T'es vexée parce que t'as pas eu ton Kinder surprise. C'est ça que tu voulais ? C'est ça. Alors. Ah, elles ne savent pas encore lire. C'est fou, ça. Bah non, à 4 ans, on sait pas lire. Après 21h, car je surveillais les deux chaînes et j'ai pas vu d'annonce, du coup j'ai raté le début. Quoi, les deux chaînes? Bah, la mienne ou la tienne. Ah, je vais dire dimanche, c'est qui live? Je suis trop matrixée. Ouais, c'est clair. Tu dis tout, mais tu dis rien. Elle m'énerve. Mais non, mais j'attends pas GIGN. Vous croyez vraiment que j'en parlerai comme ça, au calme? C'est une délinquante, Lily, faut pas croire. C'est parce que vous saviez, je sais pas si vous étiez là sur le live sur Twitch, mais c'est une conductrice très dangereuse. D'ailleurs, là, en venant chez toi. Hein? On se planque, tu te planques chez moi? Non, en venant chez toi, je crois. Ouais, quoi? Tu t'es fait flasher? Je crois. Ah, bah tiens. Ah, Darkpix? Mmh. Oh. Mais je crois qu'il y a un camion qui est passé en même temps que moi. Tu le doublais? Ouais. Mais aussi, vas-y, tes camions, ils roulent à... Bah ouais, ils roulent à la vitesse... à la combien... vitesse autorisée, quoi. À combien tu l'as doublé? Ouais. Bah ouais. Puis alors, encore, ce sera un radar mobile, je dis, t'as pas d'excuses. En plus, c'est ma mère qui reçoit les prix de notes. Ouais, mais c'est pas elle qui les paye. Non. Et c'est pas elle qui prend le point non plus. Les points, je pense qu'un jour, je pourrais négocier quand même. Ouais, qu'elle me donne un petit point. Mmh. Mais bon, j'en suis pas là, les points, j'en ai quand même encore. Mmh. Faut pas que tu viennes chez moi trop souvent, quoi, sinon ça va partir. Non, chez toi, vraiment, je fais attention, mais là, j'en avais marre, c'était long la route. Bonne soirée, Clem, merci d'être passée. Bonne soirée, Clem. Je vais pas me bloquer à nouveau, Elsa, je préfère écouter ce qu'on me dit. Ah ben oui, carrément, Steph, on te prend pas la tête. Hein. Tu l'adores. Ou les ronds, oui, les ronds-points. Ah non, mais les ronds-points, ils sont trop grands, tes ronds-points. Mais je te donnerai un petit cours si tu veux. Je te ferai un petit cours particulier. Ouais, c'est clair, parce que franchement, réussir à s'arrêter. Quand on veut absolument finir un colo, c'est dur. Ouais, grave. Moi, j'ai du mal à m'arrêter. Je me dis, allez, vas-y, tu le finis, comme ça, après, t'es tranquille. Ouais, comme le Raen. Ouais. Putain, on pas une. Ah ouais, je suis horrible. Ouais, ce soir, depuis quelques jours, t'es dur. Ouais, je suis déchirée. Déjà, depuis mon live sur Twitch, jeudi, là. Qui aime bien châtier. Ouais, mais ça, c'est parce que tu sais quoi? Je sentais qu'il y avait un truc qui se préparait derrière mon dos. Je savais qu'il y avait une FAQ de... Hein? Voilà. Putain, okay, bon, je me suis fait avoir comme une... Ah ouais, non, mais oh, c'était trop marrant. Mais si vous saviez comment j'ai ri. J'ai ri, mais j'ai ri. Mon pied. Ah non, t'as pas vu cette saison? Si, t'as vu. Si, je suis sur la dernière, là. Ah ouais, moi, j'ai pas... Si on a regardé, je crois, le premier épisode, même pas. Oh, t'as pas regardé, là? Non, mais la dernière, elle est fantastique. Non, j'ai pas regardé. On a regardé Halloween, on a regardé la première qui était franchement décevante. Halloween, c'était pas ma préférée, moi. Ouais, t'es bien. Ah non, mais la dernière, on là... On parle de LOL qui ressort. Ah, la dernière, moi j'ai regardé 4 épisodes sur 7, mais... Oh, elle est fantastique. Bonne nuit, Caro, merci d'être passée. Bonne nuit. À une prochaine. Je ne veux pas le bâcler car il va être beau et l'œil, il est trop chaud. Ouais, franchement, en plus, ton début, il est canon et t'as raison. J'ai pas vu, tu l'as publié sur Discord, Steph? Non. Ah, alors, c'était qu'on exclut pour toi? Eh oui. Je vois qu'on a ses préférences, pas grave. Remarque, depuis que mon troisième enfant est là, j'ai pas trop suivi le Discord, je vous avoue. Mon troisième enfant. Elle est où que je te montre? Elle est où? Bah, tu me suis pas? Non? Mais je cherchais Steph. Bah ouais, mais tu chantes d'habitude. Ah. T'as trop changé. Oh, canon. T'as vu? Ouais. Elle reste beaucoup de cornes quand même. Je sais pas ce qu'elle a fait ce soir. Mais canon. Tu chantais quoi là? T'étais où? Tu connais pas? Bah, c'est pour ça que je te suis pas, je crois, parce que je connais pas. Ah ouais? Bah ouais. T'étais où le grand méchant loup? Bah putain, pourquoi j'ai pas mon pistolet? Non mais, chante-moi, je sais pas, chante-moi du Slimane ou du Gim si tu veux que je te suive. Non, tu me chantes une chanson d'enfant, quoi. Mais arrête, non, c'est pas du tout. Ah bon? Non. Je crois que c'est Lio, non?
Fatigue. C'est quoi cette chanson? Je suis sûre que vous connaissez. Et ben, il suffit de lui mettre une araignée sur le pare-brise pour qu'elle devienne folle au volant. Ok, je sors. Oh non, il m'en faut moins que ça pour être folle au volant. T'as fini tes fraises? Oh, tu posteras sur le Discord, Sila? C'est ça, c'est Lio. Il est où, mon tigal? Disparu. J'ai vu que tu m'avais volé mon tigal. Moi, oh, j'aurais dû. J'aime trop. C'est Lio. Voilà. C'est Lio, je connais, elle chantait avec Jackie du Club Dorothée. Qui a parlé? Qui a dit ça? Ah, Laurence, mais oui, voilà. T'as vu, il faut qu'on leur fasse la culture à l'Élysée. Mmh. Oh, maintenant, je l'ai dans la tête. Super. Mmh. Ouais, j'avoue, t'as tout le reste du colo à faire, mais déjà, tes fraises, elles sont trop, trop belles. En plus, quand j'ai vu le colo, au début, je pensais que c'était un colo d'Anna Carlson, moi. De Markova. Pas du tout. Ouais. Le Kinder, tu me l'as sorti pour me narguer ou tu m'as sorti parce que je peux le manger? Bah non, c'est sorti pour que tu le regardes et puis que tu vois quel point il est beau. Parce qu'en fait, j'aimerais bien... Là, j'ai plus faim, mais j'aimerais bien qu'on le cache pour demain. Parce que si demain, il mange tous les Kinder, j'aurais pas eu le temps de le manger. Non, mais tu crois vraiment qu'il mange tous les Kinder? T'as pas vu combien il mange? Oui, mais je veux pas qu'il mange que les Kinder surprise demain. Pourquoi? Parce que je veux en manger un, mais là, j'ai plus faim. Alors, j'aimerais bien qu'on le cache. Je vais le cacher. Avec tes prismas. À côté du chauffage. Oh! Je vous le poste. Ah, yes. Cool, merci, Sila. Fais attention à qui tu l'envoies, par contre. Des amitiés pourraient se briser. Comment qu'il arrive? Est-ce qu'ils ont gagné PSG? Non, il vient pas. Ah, il vient pas? Il n'est pas fini, le match, de toute façon. Ah, si, 22h50. Moi, si ça peut être fini. Ah, si, là. Elle n'a pas pris de risque, elle l'a envoyé sur le Discord. Tu me montres? Non. Waouh, canon. C'est beau, Sila. Merci de l'avoir envoyé. Oh, elles sont trop belles, tes fraises. Tu les as fait avec quoi? Ah ouais, trop belles, avec l'effet de lumière et tout, là. Magnifique. Non, mais il y a plein de beaux colos, là, qui ont été publiés dans le Discord. J'ai pas vu... Sur le Discord, il n'y a que moi qui m'en occupe. Je suis désolée, j'ai une invitée. Bon, mardi, on fait Twitch ou pas? Toi, tu fais Twitch. Mais avec moi. On peut? Bah, la caméra qui affiche moi ou moi et toi, on s'en fout. J'avoue, si tu veux avoir du monde, il vaut mieux que je sois là. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça que je veux que tu sois là. Bah ouais, je comprends. Tu mets quoi en titre? Invité VIP. On verra. Bah, nanana. Comment mon pistolet? Non. Oh, j'avance pas ce soir, c'est horrible. Elles sortent de la feuille. Ouais, grave, les fraises, là, c'est... Ellie, on t'excuse parce qu'en plus, ton invitée, elle n'est pas de tout repos, mais tellement... Pouf, elle me fatigue. Très belle, les fraises, ça donne envie d'en manger, mais oui. Elle essaye à chaque fois que je ne revienne pas, mais je reviens tout le temps. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Non, je serais malheureuse si tu n'es plus. Oh, l'invité masqué et il faudra la reconnaître. Ah, un polychromo, ça l'a fait des fraises.
Ah, ça te motive à en acheter, hein. T'as trop envie de faire. Ah, bah, surtout pour faire des fraises, ouais. Ah, ouais, je sais que. Encore pour faire des cheveux, je dis pas, mais alors pour faire des fraises. Remarque, peut-être plus des fraises qu'un portrait. C'est comme tu préfères la lèpre ou la gale, quoi. Tu vois, il y Ouais. a un moment, Bah, des la choses. gale, c'est plus facile de s'en débarrasser. Ah, la gale, c'est galère. Ah, mais la lèpre. La lèpre, moi, j'aime. Non, la gale. Non, c'est pas, c'est la peste et le choléra, je Ah, crois. oui, c'est ça. Ouais. Là, tu me demandes entre un rhume et la lèpre, quoi. Non, c'est pas pareil. Tu préfères le Covid ou la grippe? Toi, on peut faire des trucs pourris comme ça. Parce que moi, vu la grippe que je me suis tapée, je pense que je préfère le Covid. Hein. Bah, moi, je sais pas si c'était le Covid ou la grippe, j'ai pas fait le test. Bah, bravo. Ouais. Ouais, c'était horrible. Ah bah vas-y, j'ai fait un onglet combo, Sylla. Parce que je m'occupe du Discord. Moi. Je suis la plus incompétente en informatique et... Arrête! Dis pas ça. Mais t'as pas entendu ça? Non, non. Elle s'est levée, elle a fait le tour de la table pour me prendre mon pistolet, quoi. Non, mais la quoi, je ne l'ai pas cramé. Ah non, c'est après sur moi. T'abuses. T'as flippé. Elle est sous tension. Ouais, on n'a pas eu le rappel pour... Ouais. Faut Ouais, on n'a que... pas eu le rappel pour la nuit de Capi quand même. Bah, il y a ça, ouais. Faut Franchement, que... je sais pas ce que tu fais, mais c'est. S'il vous plaît, déjà, j'étais au travail quand j'enregistrais ça. Alors, Enfin, non. C'est pas une Ouais, excuse c'est clair. valable. Bon, je vais faire l'avocat du fiable. Mais Ellie, ce soir, elle est un peu infernale. Ah, merci, merci Laurence, parce que moi, je... J'avoue. Mais déjà, jeudi dernier, sur mon live sur Twitch, elle était... Ouais. Bah sinon, je viens plus. Puis je m'en vais de mon propre live. Bah non, si j'aimerais bien m'en rester. Bon. Bah c'est pas grave, je te Bah je laisse. lance un live derrière. Tu changes, tu mets Lise. Mini Lise. Mais je vais te faire des vues sur ta chaîne. J'avoue. Mais bon, tant que tu te fais l'avocat du fiable, ça va. Oh, à continue, hein. Attends, mais... Sont bien ces polis, hein. Hein? Et quand tu es chez toi, tu te sers du Tiguan ou tu sers du Carandache? Du carandage. Ouais. Bah, il est en face, tu vois. Ouais. Mais quand si qu'il y a une copine qui vient de colorier, qui vient de colorier à la maison, je prends le Tigale parce qu'on se met sur une autre table. Elle a son pistolet, enfin mon pistolet comme ça là, et puis je la regarde Il et est puis je là. baisse les yeux, elle avait plus la main sur le pistolet, et elle a remis Ouais. Oui, mais elle a le droit, Ellie n'a. Oh, t'as vu le jeu de mots? Ouais, c'est pas drôle. Oh, t'as vu Elsa, elle est pas gentille, hein. Elle a dit Pourquoi? c'était pas drôle ton jeu de mots. Si elle est gentille, Elsa. Oui, mais c'est toi t'es pas gentille avec Elsa. Non, moi je suis gentille. T'as dit son jeu de mots, il était Non, nul. j'ai dit toi, t'étais nulle. On lui pardonne, c'est le bébé qui l'a Ouais, c'est travaillé. ça, putain. Ouais, mais même avant, c'était comme ça. C'est parce que je me laisse aller. Plus on se connaît et plus je me laisse aller avec moi-même et du coup c'est horrible. Elle Ah, c'est ça. remet la main sur le pistolet à chaque fois. Me sens puissante. Non, tu te sens effrayée surtout. Ah, et en fait, Elsa l'a même pas fait exprès pour le jeu de mots. Bah, je sais pas si c'est pas pire, hein. Ouais, t'aurais dû rien dire, t'aurais dû dire rien. Moi, t'aurais dû changer de sujet. Pourtant, je le trouve super ce jeu de mots. Non, j'avoue, c'est marrant. Vais le sortir tout le week-end. Tu vas oublier, Non. Nancy.
J'aime pas mentir. Moi non plus, j'aime pas mentir. En plus, ça se voit tout de suite quand je mens. Ah ouais. C'est horrible. Pourquoi tu... Ah, tu sais que... Pourquoi tu me dis ah ouais? Parce que tu sais pas mentir. Ouais, c'est horrible. Ça se voit sur mon visage. C'est... Mais des fois, c'est gênant parce que les petits, tu vois, des fois, on doit leur cacher des trucs ou quoi. Du coup, c'est difficile. Il faut plutôt passer le relais à Teddy, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. S'il y a du mytho à faire, ouais. C'est un vrai handicap, ça, dans ma vie. Ouais. Tu te rends pas compte ? Mmh. Obligé d'être honnête tout le temps. Et qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais mettre du marron et du beige, là. Tant bien tes cheveux, hein. Ouais, j'avoue, je suis contente. Faut encore que je m'entraîne, mais... Mais ta mine, elle est pas très taillée, hein. Ouais, je sais, mais c'est chiant de tailler la mine tout le temps. Ouais. Bah, c'est parce que c'est le tigane. Non, mais elle est pas taillée, ta mine, là. Non, mais même... Enfin, ton cran de taille, il est pas bon. Enfin, regarde. T'es pas au plus pointu. C'est forcément que ton truc, il se taille pas. Ça, t'as envoyé une photo à moi. Regarde, moi, tu vois, là, c'est le dalle, il est taillé au plus gros, au plus épais. Et il est plus épais que toi, ton plus fin. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Regarde. Ouais, c'est joli. Il est beau, hein. Ouais. Ah, oh, mais j'avoue, quand je vois toutes les cornes, là. Tu veux voir la corne, comment elle l'a coloriée? En doré, un peu. Ouais, c'est long. Tu le fais avec quoi, Steph, le Kirby? Sans le coup de crayon, ça serait parfait. Non, mais carrément. T'as carrément raison, j'y sais, celui-là, là. Bah, c'est celui qui est à cause de Ellie. Non, mais ouais, je pense qu'il faut que tu les tailles autrement, tes crayons, pour faire les choses. Encore plus court que ça. Non, mais en fait, c'est pas. Je pense pas que c'est... Je pense que c'est le cran de taille du cigale. Parce que là, tu vois, il taille et en fait, il fait pas une mine... Ouais, là, c'est mieux. Attends, mais il souffre, les crayons, quand il les met dans le tigale. C'est pas grave, c'est les tiens. Allez, rigole. Coucou, Dream Team, bienvenue. Coucou. C'est vrai qu'on voit que ça. Bah, bien sûr qu'on voit que ça. Au poli. Ah ouais, bah ouais, c'est long. Grave, elle a tout gâché, Ellie. Oui. C'est clair, Jean-Christophe. Non, c'est pas Jean-Christophe. C'est pas Jean-Christophe. Non. C'est ça, sur moi, c'est pas Jean-Christophe que j'aurais pensé au premier. Ah ouais ? J'aurais pensé à Jean-Claude. Ah ouais ? Ouais. Ouais, bah ça, c'est la génération, tu vois, c'est le gouffre entre nous. C'est pas Jean-Claude non plus. Il est où le coup de crayon ? Mais il n'y a pas de coup de crayon. Ça va et toi ? C'est parce que tout à l'heure, Ellie, elle m'a lancé une munition en pleine colorisation de cheveux et ça m'a fait faire un trait. Mais c'est vu pas que. Jésus-Christ quand même. Non. Je sais pas, comme on est jour de Pâques et tout. Oh, putain. Mais stoppez là. Non, je sais pas, moi je suis bloquée à Jean-Christophe. Qui c'est ? Jérôme Claude ? C'est Jean. Mais si tu trouves, je sais pas si je le dirais en live que t'as trouvé. Bah oui. Jésus-Christ, tu vois, il a dit que c'était Jésus-Christ. Putain, mon pistolet. Regardez, qu'est-ce que j'ai dans les mains. J'arme. Vous allez dormir chez l'une ou chez l'autre ce soir? Ouais. C'est moi qui dors chez elle. Enfin, c'est Lilith qui dort chez Ellie. C'est moi qui dors chez elle, je croyais que tu avais dit c'est elle qui dort chez moi. Je me suis dit, là, on passe un cap quand même. Ouais, c'est Lévis qui dort chez moi. Ça fait un jour qu'elle est là, déjà. Deux. Je suis arrivée vendredi soir, on déjà est dimanche soir. Oh, c'est nul. Ça passe trop vite. Marrant, un pistolet. Non. Bien tenté, mais non. Moi, je ne vais pas me nourrir au poulies. Ouais, Jésus-Christ, c'est bien. On aime bien Jésus-Christ.
Du coup, c'est fini, là, les blagues et tout ça, parce que là, on est en présence divine, quand même. Ah, j'ai oublié de dire frère. Bah, là, sort des conneries à la seconde, comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de répit, c'est usant. C'est nuisible. C'est même plus ah ouais, usant, c'est nuisible, quoi. C'est nuisible. Ah ouais, c'est carrément, comme c'est grand dessus. Ah ouais. Ah ouais, tu remets ça. Ok. Ok. Je t'ai envoyé le chat cette nuit, tu vas voir, toi. C'est ça. La menace ultime. Ouais, c'est cool, c'est trop bien. On est contente. Enfin, hein, avant les révélations. Ouais, c'est ça. On est censé être contente de se voir, mais bon. Ouais, passer un cap, hein, si tu veux. Peut-être elle avait besoin de moi pour avoir du monde sur son live, alors elle m'a invitée. Bah, c'est surtout que je ne savais pas comment lancer le live, donc c'est pour ça que c'est lui, en fait. En fait, je suis pour lui montrer comment faire un live, c'est tout. Après, tu peux repartir, je peux repartir là, maintenant. Non, mais maintenant, d'ailleurs. Maintenant, oh, ouais. Moi, j'aime bien rouler de nuit. Ouais, bon, bah, vas-y. Bah, attends, je finis le live quand même. Fais tes affaires. Fais tes affaires. Ça, non, franchement, arrête, t'es relou, Ellie. Elle ne sait pas s'arrêter. Demain matin, quand je vais me réveiller, je vais arriver, je vais faire... Ah ouais, elle va arriver avec le pistolet demain. C'est ça de traîner avec des gens qui sont trop jeunes. Ils sont pénibles. Toi, t'as rien pris comme matos, Lélise ? Si, j'ai pris mes crayons de couleur et quelques livres. Elle me taxe, mais polie. Les prochains colos, je veux du crayon gras. Ah ouais, le gras, c'est la vie. C'est la vie. Ah, Juju, tu valides pas. Bon, bah, c'est pas grave. Les prochains colos, je veux du gras. Elle devait retester les polis avant de les acheter. C'est bon, ça, toi, tu voulais savoir comment on faisait un live. Moi, je voulais tester les polis. Voilà, mais c'est bien, c'est qu'on se dépêche, quoi. Ouais. C'est bien. Bisous, Sophie. À bientôt. Bisous, merci d'être venu. À bientôt. J'ai chaud. Je ne suis pas toute rouge. T'es rouge. Ouais. C'est des conneries. Et alors, t'en penses quoi des polis ? Bah, je pense que c'est pas mal. Je te juge pas, moi je le savais. Ouais. Si un écureuil a le béguin pour toi, est-ce que ça veut dire que tu as une tête de gland ? Non, mais moi, ça, c'est mon humour. D'un point de vue purement théorique. Oui, c'est ça. Mais moi, j'adore les trucs comme ça. Hein. Tu peux y aller. Hein. T'as jamais été attaqué par un écureuil, du coup ? Non. Non, parce que j'ai pas une tête de gland. Elle pense déjà à comment elle va ranger ses trousses avec les polis. Non. Elle sait déjà. Elle sait déjà. Je savais que tu allais aimer. Je sais que tu allais aimer. Ah, moi, j'adore les blagues comme ça. Hein. Les blagues bien nulles, moi, je... Et après, ça critique notre humour de merde. Ça serait un pistolet, ça. Putain, je finis les choses ce soir, hein, mais j'en peux plus. Oh. C'est vrai que t'as pas pris le portrait que tu voulais au début, il y avait 1000 cheveux. Ouais. Putain, c'est chiant d'avoir du chocolat parce que du coup, t'as envie d'en manger. Je pensais que t'allais me passer un bouton. Merci, moi, Jenny. Apparemment. Non, bah moi, j'avoue, je suis un peu écœurée, là. Bah ouais, en même temps, t'as mangé ton lapin, là. Bah, t'en as mangé un bout, hein. Non, j'en ai même pas mangé. Ah, t'en as pas mangé ? Je pensais qu'on avait pris. Non, j'en ai même pas mangé un seul morceau. Ça peut être assez rapidement. Ouais. Si. Tes cheveux sont magnifiques. Magnifiques. Du coup, heureusement que Sylla, elle nous a sauvés pour le combo parce que on allait clairement passer une mauvaise soirée si tu avais mis du 280 à la place du 283. Ah ouais. Mmh. Je pense qu'elle a donné le truc qui manquait, Sylla. C'est parce qu'elle les faut pour y chromo. Allez.
Comme quoi, c'est important de toujours rester ouvert en colo parce qu'on évolue. C'était la petite... Merci, je me sens moins jugée comme ça. Écœurée par les chocolats ou par l'achat de Polly? Non, non, par les chocolats. J'aime bien les chocolats, mais moi, je sais pas en manger beaucoup, en fait. Qu'est-ce que tu peux manger beaucoup? Du foie gras. Oh, tu me dégues. Du saucisson sec. Ouais. Je suis moins écœurée avec le salé. Un paquet de chips. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, des chips, les chocolats. Aussi, à la rigueur, un truc où je pourrais bien pas beaucoup manger, c'est des bonbons. Tu peux manger beaucoup? Ouais. Ouais. Les bonbons, je peux en manger beaucoup plus que du chocolat avant d'être écœurée. D'accord. Mais les chocolats, ouais, j'arrive vite à. C'est quoi, vous, le truc qui vous fait. Le truc où vous pouvez pas trop vous arrêter, quoi? Ouais, moi, c'est pareil, c'est plus salé. Hein. Il y a certains gâteaux apéro. Ah ouais? Ouais. Les Monster Munch jambon fromage, là. Les Monster Munch jambon fromage. Non. Les 3D cacahuètes. Ah ouais, les 3D, ouais, je crois. Ah, les ouais. 3D cacahuètes. Oh là là là. Par contre, cacahuètes, je sais pas. J'adore, c'est les petites boules aux oignons. Aux oignons? Ouais. Ah, les ronds? Non, pas les Pringles. Ah si, les ronds. Les ronds? Oui, les anneaux. Les donuts, là. Non. Ça s'appelle donuts, mais c'est pas des donuts. Non, c'est pas des donuts, c'est des ronds. Oui. C'est des anneaux. Curly, genre curly. Non, c'est des anneaux aux oignons, c'est pas curly. Ah, genre les trucs de Bécart. Non. Mais me dispute pas. Elle va se prendre un coup de pistolet. Alors, Dream Team a dit, je peux te poser une question. Tu as peut-être dit, mais j'ai zappé, mais j'ai une question. Vas-y, pose, pose. Surtout si c'est très embarrassant. Genre ça, là. Le caprice des dieux, Valérie. Ouais, super, j'ai pas les que j'achète. Ouais. Caprice des dieux, Valérie, c'est le truc qu'il a fait... Mais je connais même pas. Tu connais pas? Mais non. Ça doit être bon, ça. C'est trop bon. Les chips au vinaigre aussi. Ah, chips au vinaigre, ouais, pépite, ouais. Tu connais pas ça? On va aller en acheter. Ouais. Vas-y. On y va? Non, mais on n'est pas à Paris, si. Le truc, il est même pas ouvert le dimanche matin, s'il te plaît. Donc, Coucou Amélie, bienvenue. Coucou Amélie, on est en train de parler de ce qu'on pourrait manger sans s'arrêter. Ouais. Ah, les carambars. Les carambars au caramel ou les carambars carambars? À toi, non. Carambar caramel, non. Non, mais elle... ouais. Non, je lui demande si c'est les carambars. Ah non, mais c'est pas carambar caramel. Ouais. On anticipe une défense. Ah ouais, carambar, alors c'est chaud parce que tu peux pas les enfiler, parce que ça colle aux dents. Cacahuète chips. Ouais. Les pistaches. Ouais, les pistaches. Ah, les pistaches, ouais, mais les pistaches, tu mets plus de temps à éplucher qu'à manger. Ah ouais, mais c'est bon, les pistaches. Les rings ou oignons, je crois que tu veux dire. Non, c'est pas ça, en fait. C'était des gâteaux des apéro. C'est vraiment des chips, c'est des anneaux à l'oignon, mais c'est craquant. Oh, c'est craquant. Le fromage pour Amélie, hein, on a deux teams fromage là. Ah ouais. À tous les carambars, si là elle n'a pas de pitié. Moi, les bonbons qui piquent aussi. Oh là, ouais. C'est quoi ça? Ils ont perdu PSG? Non, non, c'est le chat, je pense. C'est le chat qui a fait tomber un jeu dans la salle de jeu. Saucisson et fromage, oh, ouais. Saucisson. Ah, Snickers et Bounty dans les célébrations Laurence, ah, elle est team sucrée. Ah non, alors moi, ni Snickers, j'aime pas la noix de coco, alors Bounty, c'est hors de question. Et t'aimes pas les Snickers? J'aime pas trop. Ah ouais? Snickers, Mars, Kit Kat, tout ça. Ah ouais? Ah, tout ça, tu m'en mets là, je les mange pas. Les célébrations, c'est quoi ton préféré? T'en as pas? Non. Ouais. Les seuls que j'aime bien manger, c'est les Maltesers. Ouais. Mais franchement, c'est pas... Tu vas au ciné, tu prends quoi? Rien. Tu prends rien? Non. Des bonbons? Ouais, des bonbons. Même les popcorn et tout, non, non. Je prends un coca. Et bon, je crois pas, en tout cas, chaque fois que je vais au cinéma, parce que ouais, bah, ça serait chaud. Souvent, quoi. Et le fromage, ouais, on a beaucoup de fromage aussi. Hein. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi comme nom de chaîne Lily, parce que quand on regarde, il n'y a pas de rapport avec ton prénom, du coup, je voulais savoir d'où vient ton nom de chaîne. Ah, bah en fait, c'est que quand... C'est vrai, Micheline. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait souvent Lily. Bah, Aurélie Lily. Aurélie Lily, pas enfin, bon, bref. Et qu'à un moment, on était deux Aurélie dans la même... dans la même classe, et du coup, il y en a une qui s'appelait Lily, et moi, j'ai dit Lilise, parce que j'aimais bien. Et j'ai gardé Lilise, du coup, depuis le lycée. Voilà. Voilà. Il n'y a pas une grande explication de folie. Franchement, moi, ça m'a fait quelque chose. Hein. je sais pas quoi dire, c'est trop d'émotion. Je vais te mettre avec le chat en haut, tu vas voir. Il ne me menace pas. Si te vois ce que je veux dire. Oh non, arrête. Oh, laissez-moi tranquille. Popcorn sucré au ciné, dit Elsa.
Non, mais moi, si je peux en acheter du popcorn, mais je vais pas finir déjà. La dernière fois qu'on a appris un truc au ciné, non mais s'il te plaît, j'étais même pas enceinte, j'étais enceinte de mon premier, c'est vrai. Je suis retournée au ciné, là c'était avec les petits pendant les vacances. Première fois en 4 ans. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, parce que bah, c'était pas facile de les faire regarder et tout, quoi. Bah c'est vrai. Ouais. On Allez. Dirait un couple qui se dispute. C'est clair. Qui porte la culotte? C'est moi. Je te laisse croire que tu portes la culotte. Ouais. C'est ça la puissance des vrais, tu vois. Tu vires de bord avec les polis, Lilise. Mais c'est moi trop. Non, mais franchement, Lilise, 2024, mais qui est cette personne? La fille, elle achète des Clara Markova, des Maria Troll, des polychromos. Non, mais qui est cette personne? Lilise? Bientôt, je vais faire des effets poils au lieu de faire des cheveux. Non, mais là, on passe un cap, là. Oh, là. Bon, bah, c'est bien. Tu l'auras quand même bien avancé ton colo ce soir-là. Ah ouais, j'ai pas l'impression pourtant. Bah, il te reste plus rien à faire. Tu rigoles ou quoi? Il y a encore 1000 trucs. Bah, pardon. Non, mais tes cheveux sont à tomber. Merci, j'avoue, j'en suis contente. Mais bon, j'ai. Je crois que j'ai compris que déjà, pour faire des cheveux, bon, faut des bons crayons, mais il faut aussi beaucoup de patience, quoi. Bah attends, ça va, t'as pas mis longtemps là. Bah un live pour faire des cheveux. Bah c'est pas long. Ah bah. Surtout qu'en plus, t'es perturbé toutes les 5 minutes par un pistolet de dinosaure. Alors, t'as oublié les livres Amazon, elle a dit. Ouais, j'ai vu, mais j'ai pas voulu te faire de mal. Bien joué, Steph. Steph, elle t'en veut trop ce soir. C'est cool, je sais pas ce que je lui ai fait à Steph. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Je lui propose de poser des jours pour qu'on se voit et. Ouais, mais tu poses pas les bons jours. Moi, je suis occupée de faire un Clara Hack dans lequel Dream Team. J'ai du mal avec les effets poils et les cheveux. Bah ouais, c'est long. Hein. On attend toujours le colo dans le Clara. Non, mais du ouf, on attend trop. Faut venir sur Twitch. Ah! Bah, il y a des points de chaîne après. Hein. Oh! On va faire beaucoup de live. Hein. En fait, quand je vais voir que je commence à arriver limite pour dépenser des points de chaîne, je vais arrêter de faire des lives. Elle vous a balancé une exclue, là. Comment vous êtes trop des privilégiés sur ma chaîne. Oh là là, j'adore. Merci. Moi, je lance des exclus, mais toi, on attend ton thème. Sors ta vidéo demain. Bah, demain, c'est férié, comme ça, on attend de regarder. Ouais, bah, ouais, mais si je change tous les jours, les gens, ils vont... Mais non, c'est bon, entre Ellie, tu fais non. Ils vont dire Ellie, na. Ouais. Entre lundi ou mardi... Le tout dernier. Ah oui, le Little Fairy, là. Je sais pas quand il sort son dernier, qui n'est pas encore sorti. Un colo dans un Clara avec des polychromos. Non, mais je vous jure. On ne viendra plus, Lise. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pour plus que vous veniez. Bah, si tu bloques les points de chaîne, t'as dit un truc comme ça. T'as dit que si ça commençait à partir en cacahuète, t'allais... Bloquer des points de chaîne. Ouais. Si je sens que le Clara, il arrive. Ouais. Un peu de respect pour tes... Comment on appelle les viewers sur Non, ça s'appelle des followers, je crois. Non ? Followers ? Je sais pas. À chaque fois, je dis merci pour ton abonnement. On me dit non, c'est pas un abonné. C'est un follow. Ah. Sur les abonnements, c'est payant sur Twitch. Ah. Alors que sur YouTube, tu dis abonnement pour dire bah, tu suis la chaîne, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner, nanana. Que sur Twitch, c'est des follow. Ah ouais ? Ouais. C'est un nouveau langage. Hein. Travaille comme ça, on peut regarder. Toi, si là, elle est d'accord. Demain, personne travaille comme ça pour regarder tranquillement ta vidéo, Ellie. Bah, faut que j'aille mettre un télécharger, alors je vais faire ça. Longtemps. Bah ouais. Follow si tu suis. Fin d'année, je crois, le Clara. Est-ce qu'on va l'acheter? Bah non. Est-ce que je vais l'acheter? Toi, tu vas pas l'acheter quand même. Deux Clara dans l'année, ce serait mort. Demain, elle part pas cap aussi. Oh, trop bien. Ouais. Vous savez quoi, je suis morte de rire toute seule, je viens de réaliser que je suis en train de colorier un poisson pile pour demain. Ah mais oui. Oh, faut qu'on fasse des coloris au petit. Ah ouais. Oh, demain je vais être marave. Non, on a dit au petit. Non, mais t'es mon troisième enfant, t'es au petit. En plus, vous savez pas, mais elle me dit je vais être marave avec des yeux qui font vraiment flipper. C'est horrible. Oui, ton thème, Ellie. L'abonnement, c'est pour soutenir financièrement ta chaîne.
Oui, mais c'est vrai que moi, je confonds. Non, mais tu racontes des trucs, mais n'importe quoi. Mais ouais, l'autre fois, c'est pour ça que j'ai dit merci pour ton abonnement. Et on me disait, mais non. Franchement, tu respectes R. Ouais, mais bon, moi, j'y peux rien si c'est un autre langage. Ouais, mais ouais, faut te mettre à la page. Hein. Bon, il me reste plus que ces deux grosses mèches, là. Allez, Lilise. Allez, Lilise. Je les entends pas, eux. Allez, Lilise. Allez, Lilise. Ça, c'était Jésus-Christ. Ah, putain. Ah, ça arrête jamais. Eh ben, ouais. C'est fatigant, la campagne. Ouais. Bonne nuit, Valérie. Bonne nuit, Valérie. Merci d'être venue. Vous faites un live demain ou vous faites des gages? Ah, on va pas faire des lives tous les soirs. Pas abusé non plus. Non. Et puis, non, on veut pas des gages non plus. Hein. Moi, je veux bien lui donner. Venez, et viens, tu fais un live et on te donne des gages. Moi, je ne fais pas partie des gages. Ah, merci. Allez, Lilise. Ah, je savais que c'était des poussins de loin. Non, c'est des bras musclés. Mais oui. Moi, des poussins. T'en manques de poulet. Ouais, c'est ça. Des poussins, s'il te plaît. Non, moi j'ai déjà eu les gages l'autre fois là, l'année dernière avec Ad, ça va suffire. Ah ouais, c'était trop drôle. À quand la saison 2? Bah je sais pas, Ad elle veut qu'on fasse ça quand je vais la voir. Mais trop bien. Ouais, mais moi je vais trop perdre. Bah concentre-toi. Mais non, mais moi je. Tu sais, j'ai un humour de merde. Non, c'est pas que t'as un humour de merde. C'est que je suis bon public. Ouais, c'est ça. C'est que t'as pas d'humour. Tu vois, même ça, tu rigoles. C'est parce qu'il y a ta tête. Quoi, si j'avais pas ta tête encore, je pense que je pourrais tenir. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Ouais, c'est presque ça. Lise, on veut pas refaire un... Lise veut pas refaire un live car elle a peur d'Elie. Non. C'est ça. Non, mais bon, c'est juste que bon, peut-être qu'à un moment, son chéri, il va peut-être vouloir aussi... Regarder la télé en toute impunité. C'est ça. Et puis c'est surtout que quand on fait des lives, c'est lui qui doit endormir les enfants. Bah ça va, là, ce soir, il a eu le bonsoir, mais hein, tu peux, ils sont endormis en 2 minutes 30. Oh, bah, enfin, mon pauvre, il avait PSG à la télé quand même. Et ouais. Du coup, en plus, il s'est sacrifié pour regarder PSG sur son téléphone. Et en plus, il a accouché les petits. Donc franchement. Je vais le payer cher. Ouais, ça va te coûter cher. Enfin bon, ça va, t'en as déjà en route. J'avoue, c'est bon. Pas des couilles. Je porte, moi. Mmh. Non, mais faut pas déconner. Nanana, nanana. Putain, c'était dans Taxi, ça. Tu as quel âge, Élie? 26. On demande pas l'âge aux femmes. Ça va, tu réponds, toi, encore. Ouais. Quand je répondrai plus, je... Tu parles avec les petits, c'est mort. Hein. C'est des petites balances. Hein. C'est clair. Surtout qu'elle mine là. On m'a dit ouf. Bon, après, c'est des plus grands. T'as plus d'intimité avec quand t'as des enfants. Laisse tomber. Tu réponds et après, c'est toi. Je suis... Faut qu'on trouve des blagues pour demain, alors. Pourquoi? Bah, pour le poisson d'avril de tes enfants. Ouais. Viens, on te réveille à 6h du mat, trop drôle. Ah, Lilise, allez, Lilise. En clair. Plus, tu rigoles, mais en plus, ils sont couchés tôt. Donc, demain matin, on taquait. Je préférais qu'on trouve une autre blague. On n'a pas dit que c'était toi qui les gardais demain et nous, on était en congé. Ça, ouais. Quel coup de vieux je me prends si je pouvais avoir ton âge. Ah bon? Mais je pense que t'es une des plus jeunes, Élie. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, Dream Team, je croyais que t'étais... Je croyais que tu faisais partie de la team des jeunes, toi. Pas comme il est. Je suis partie des jeunes aussi, moi. Oui. Non, je suis partie. Ils ont tous 40 cette année-là. Ouais. Non, c'est pas assez clair, ça. Mais ouais, je suis une gamine, mais... L'insouciance, la fougue. C'est quoi ces haussements de sourcils? Je ne la dis pas du tout. Je réponds à mes followers, excuse-moi.
Ouais, et ben moi, je réponds à mes abonnés. Lise a vieilli d'un coup, là. Ouais, elle a pris cher. Bah, 36, c'est jeune. Ben oui, c'est jeune. Tant. À partir de quand t'es vieux? À partir du moment où tu te poses plus la question. C'est dans la tête. Moi, c'est un sujet sensible encore. Ah ouais? Ouais. Ça a toujours été ou c'est depuis que t'es Non. vieille? Non. Tu veux savoir c'est quoi le vrai sujet sensible? Ouais. Non. Non. C'est quoi? Ta tête? Ah ouais, ta tête, j'avoue, ça Ah ouais, deuxième. Ouais. La question, c'est à quel âge s'arrête la team des jeunes et où commence la team des vieilles? Bon, en fait, je pense que ça glisse. Plus tu vieillis et plus la limite, elle bouge. J'approche tout doucement des 40. Ouais, les 40 te guettent quand même. Là, je suis dans la tête, mais ouais, grave. C'est clair. Surtout avec Jésus-Christ. Non, ouais, je pense que ça bouge vachement, là, genre. Parce que t'as pas les mêmes pensées quand t'as 20 Bah, ans. quand t'as 15 ans, tu trouves que ceux de 40, ils sont vieux. Puis quand t'as Ouais. 35, tu te dis, bah, en fait, 40, c'est pas vieux, c'est le Bah, meilleur âge. même quand t'as 35, tu te dis 50, c'est pas trop vieux, quoi. Si, tu dis que c'est trop vieux? Non. Non, tu te dis pas que c'est vieux. Puis j'ai pas 40, en hein, toute façon. J'ai dit 35. Ah, t'as dit 35? Moi, j'ai pas 35 non plus. Mon père a dit hier, elle a 50 ans, elle est vieille, en me montrant une dame, mais lui, il en a 80. Mais Mais il croit qu'il en a 40. non! Excellent! Ah, donc ça veut dire que passé un âge, tu recules du coup? Tu Ouais, tu repars fais en marche arrière? arrière, ouais. Trop bien. Je valide ce Bah, c'est concept. un âge, je pense que tu fais ce que tu veux surtout, hein. Ouais. C'est qui? C'est le père de qui? Dorine. Aurélie. Ils sont trop marrants. 26 ans et déjà bien trois enfants, ouais. On n'a pas On a choisi. tous quatre ans, ouais, on a tous quatre ans. Ouais. J'essaie les éternels. Ouais. Pauvre Juju. Bah oui et non, ça dépend. Ça dépend, il s'arrête à quel âge d'être éternel? Ouais, s'il est éternel à 30 ans, c'est bien. S'il est éternel à 120, C'est moins moins bien. bien, tout de suite. Ça doit être moins drôle. Ouais, moins fun tout de suite. Ouais. Moins fun. À mes soins, merci. Oui, Dream Team. Non, pas à tes souhaits. Je pleure. Elles Oh, sont pleines d'âge. ma bichette, oh. Un coup de pistolet. Non. Toute façon, Lily, je ne veux pas te faire peur, mais tu vas t'en prendre un avant de finir le Bon, jeu. je vais me dépêcher de claquer alors. Bah Oh non, pauvre Juju. non, tu peux pas, t'es immortel. À tes souhaits, saleté. C'est Elsa? C'est Elsa ou Elsa. Laurence? C'est Elsa. Non, Elsa, elle est un peu plus rancunière quand Ouais. même. Non, bah Laurence, elle parle plus, elle est partie. Il n'y a plus de rancœur. Elle demande, t'es à combien? C'est le troisième. Non, Ouais, c'est le troisième. merci pour la soirée. Bisous, Ila. Bisous, merci d'être venu. Je les ai payés pour qu'ils viennent tous, ces gens-là. Cher, j'imagine, parce Bah, que quand cher. même, live de qualité. Du coup, je peux pas me racheter mes polis. Ah, c'est con. Ils m'ont coûté trop cher Bon, pour. bah, tu les auras plus tard, alors. Tu les auras pour tes 40 ans. Oh, ça va, on est large. Bah, tu les auras pas tout de suite, quoi. Oui, mais tant mieux. Ah, ouais. Bah, je croyais que tu les voulais, moi. Non? Non, c'est trop tôt encore. Là, je j'assume pas là. D'accord, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Tant que tu veux pas les light fast, hein. Ah non. Là, je serais inquiète quand même. Non, je parlais de combien de mois tu es Ah, enceinte. je sais pas, c'est pour juillet, c'est approximativement. Pour le premier, tu sais à combien de jours t'es. Pour le deuxième, tu sais les mois. Et le troisième, tu. Tu sais que tu accouches en juillet. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que tu Devine. comptes moins Ah, de ouf. que les premiers, t'étais au taquet de ouf. Ouais. C'est pour la sécu, là, je suis dans le sixième mois, je crois. Ouais. Il m'a dit ça, il me dit, bah, vous payez pas là parce que. J'ai dit, hein? Déjà?
Ouais, il est trompé, lui. Ah bon, t'as rien eu? T'as rien eu? Ah bah, je devais pas avoir ton RIB, alors. Pour les payer. Pour qu'ils viennent. On sera payé quand, Lilise? Ah. Quand j'aurai 40 ans. Bah, il faut t'accorder les violons, là, les gars, ouais, parce que c'est, ça va pas, les personnes. Merci, Marie, pour les cheveux. J'allais dire une qui ne pense pas à l'argent, mais quand je vois le message en dessous... Des cheveux de ouf. Je t'envoie mon RIB. Ouais, voilà, on fait ça. Mais tu sais, à la campagne, on capte pas très bien. Il y a un temps de... Il y a le décalage, quoi. Il y a le décalage, donc je risque de le recevoir avant 4 ans. Et puis si vous habitez à Nancy... Nancy. Non. Nancy. Nancy. Et Metz. Non. Je suis là, mais j'ai, mais moi, j'ai 65 ans, je suis une relique. Mais non. Tu es la voix de la sagesse, Laurence. Mais grave. On a trop besoin de toi, Laurence, pour nous recadrer un peu. C'est clair. Surtout Lily, c'est la pire. Bah oui, c'est ça. Merci, Steph. C'est son combo qui a fait la diff. Son combo. Son combo. Combo. Moi, j'avoue, je suis contente. Faut encore que... On voit qu'il y a des différences d'une mèche à l'autre, mais dans l'idée... Ça, c'est la taille. La taille du de la mine, ouais, je pense. Non, c'est une vraie info hein, que je te dis. Non, mais oui, je pense vraiment, maman. Mm. Mais c'est vrai que quand j'aurai mon... Ça sera mieux. Trop bien, les polis. Non, mais j'y sais, j'y sais. Non, mais c'est bien, c'est qu'au moins tu t'acceptes de tomber. Quoi. Ça va, c'est cool. Qu'est-ce que t'as fait là? Non, mais la meuf, la chose à dire, c'est que t'acceptes de te tromper, quoi. Non, mais c'est cool, en plus, tu les as pas revendus. Oui. Tu les as mis à la cave, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Une belle cave. Ouais. Réconcilier avec les pourris. Steph, elle attend juste que je dise oui. Mais après, tu feras pas un portrait avec, quoi. Pour non. L'instant. En 2025, non. Peut-être. Non, mais bon, déjà, les cheveux, c'est pour ça que je voulais les mettre dans la... Si j'en rachetais. C'était bien réfléchi quand même, hein. Écoutez bien. Je voulais les mettre dans la même trousse que mes Pablo et mes Luminance. Comme ça, Luminance, je peux faire les peaux. Et si j'ai pas tous les polis, je peux quand même faire mes cheveux avec les Pablo. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais j'achète pas les bleus des polis, par exemple. Ouais, et qu'un jour, je perds des cheveux bleus, et ben c'est dans la même trousse et je peux faire des... Quand tu vas chez Marie, du coup. Quand je vais chez Marie. Non, chez Marie, je fais les cheveux violets, je sais pas, elle m'inspire le violet, Marie. C'est un truc de ouf à chaque fois que je vais chez elle. Ouais, c'est marrant. Tu vas te les... Ben, en fait, non, ce que je lui avais... Elle les a tous, Ellie. Et en fait, je lui avais revendu... Parce que voulait que je lui vende, quoi. Je lui avais revendu, ça lui faisait du réassort. Donc, oui, ça va devoir les racheter à un moment. Oui, c'est pas grave. C'est pas un problème. Est-ce que je vous mets peut-être le colo dans le bon sens? Oui, vas-y. Ouais, c'est bah, regarde la caméra. Bah non, je vois mieux là. Les couleurs, elles sont plus... Ouais. Elles sont mieux là. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais, non, je suis contente. Je vais noter le combo d'ailleurs. Ah bon? Au cas où. Trop joli. Mais laisse du blanc. Ouais, ouais, mais toi, il faut que je m'entraîne, quoi. Et puis, il faut tailler ta mine à fond. Presque fini mon mystère de la princesse et la grenouille ce soir pendant ton live. Merci, Sila. J'avoue, je suis pas trop concentrée ce soir. Bon, voilà. Bien joué, Laurence. Oh, putain. Elle m'a lancé le pistolet. Enfin, elle me l'a lancé. Ouais, c'est vrai. Attends, je peux en parler. J'étais prête, en plus j'attendais. Ah bah tiens. Tu m'avais pas vu le prendre et puis le mettre là comme non, ça. Mais non, moi j'étais... Juste derrière ton livre. Non, j'étais concentrée dans. Trop beau, superbe, top. Trop beau, Lilise, on voit bien la progression. Ah, oh, merci. C'est trop un compliment qui fait plaisir, ça. Ouais, bah c'est surtout que franchement, quand je vois ça, et que je vois ça il y a genre 2 semaines. Ouais. Enfin, tu vois qu'il y a une sacrée différence, quoi. Ouais. Après, c'est pas les mêmes crayons, mais... Après, c'est peut-être pas la même technique non plus, si. Non, bah de toute façon, avec les prismas, c'est tellement gras que tu peux pas... Ouais.
Mais arrête de nous faire sursauter. Et c'est à cause de Ellie. Elle me balance des trucs. On n'avait pas remarqué. Ah, j'ai pas de stylo. Tiens. Non, t'as un stylo, stylo noir. Bah, prends un poli noir. Non, je veux un stylo. Oh. Tiens. Ah oui, je vais les cacher. J'aime beaucoup, auditif. Elle a l'air sur le virement, je pense. Que tu n'étais pas concentrée. Non, mais grave, c'est ouf la différence. Ah, franchement, les prismas, c'est pas facile de faire un color. Non, franchement. Un cheveu avec. Ah, tu m'as fatiguée ce soir. C'est lequel celui-là, le 103? Ah, franchement, cheveux au poli de Scylla et Ellie. Parce que là, t'as vu que j'avais écrit Aurel. Ah non, j'avais même pas vu. Non, voilà, je te jure, j'avais pas vu. Elle a vu que j'avais écrit cheveux Pablo d'Aurel. Donc elle veut que j'écris. Arrête. Dis la vérité. Dis que j'avais pas vu. Ah, tiens, j'avais sorti ça si tu voulais voir le. Ah, les pâtes pastel. Ouais. Est-ce que je peux ranger mes polis ou tu les veux pour cette nuit? Tiens, tu peux les ranger. C'était une folie, polie, quand même. Je trouve que c'est beau aussi, les cheveux prismas. Je pense qu'il faut, les faire différemment. Ouais, en fait. C'est ça. Faut pas les faire. Faut pas vouloir faire de l'arraché, c'est comme ça que vous dites. Ouais. C'est Lilith qui va confesser. Ça va, en fait, le papier. Du coup, il est où? Bon, bah, c'est bien, t'as bien fait de me dire là pour la palette. C'est cool, comme disait Jeanne. Non mais en fait, Steph, elle a pas compris que je repartais de chez toi avec 50 polychromos, je crois. Ouais, avec tes polychromos. Steph, je repars là de chez Ellie avec 50 polychromos déjà. En fait, les 50 polis qu'elle m'a donné il y a quelques temps, je les ai vendus. Oui, mais que je rends. Alors je lui fais payer 10 euros plus cher parce qu'il y a une plus-value à être passée chez moi. En fait, je lui avais pseudo-vendu mes polis que j'utilisais pas à un prix défiant toute concurrence. Pour que ça lui fasse du réassort. Voilà. Sauf que du coup, vu que j'aime bien les polis, elle me les revend. Mais plus cher. Mais plus cher. Voilà. Et du coup, bah voilà. Du coup, ça augmente le budget dépenses colo du week-end. Ça va, tu nous as de l'argent aussi, ça compense. C'est sans fin le truc. C'est une blague, Lise, je ne te crois pas. Ah, je ne crois pas, Steph. Ah non, mais véridique. Hein. Les polis, ouais, bah franchement, ouais. Et poisson d'avril. C'est juste que j'avais pas la technique d'arrachage. D'arracher. C'est marrant parce que t'avais, parce qu'en fait, t'avais colorié un peu avec les tiens. Ouais, mais j'ai pas, peut-être pas autant de patience ou. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh là, qu'est-ce que c'est trop bien la vie, les étiquettes, là, j'adore. D'ailleurs, pourquoi t'as pas les étiquettes des drawings? Parce que j'ai plus de. Aïe! Ah, mais c'est con, j'aurais pu t'en imprimer au taf. Non, c'est pas les étiquettes, c'est les bandes. Ah, c'est le ruban. Ouais, les bandes élastiques. Je crois qu'ils avaient acheté à son coin. Coucou, bulle d'arc-en-ciel. Enfin, bonsoir. Coucou, merci d'être venu. Je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps. T'arrives sur une fin de live. Désolée. Je suis en train de ranger mes polychromos. Tu vas me racheter les polychromos. Arrête. Non mais ouais, elle est insupportable avec son pistolet. Enfin, merci. Ouais. Son beau, les bleus là. Le rediff, il est tard en même temps. Ouais, ben c'est vrai qu'il est tard là. Ouais, grave, il est trop tard. J'ai chaud. 2h30 de live. Faut être à deux pour faire 2h30 de live. Sinon, c'est dur. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Genre, je t'ai usé. Ah, tu m'as usé. C'est moi qui l'ai usé. Capote. Ouais. Tu les as pas pris, toi, les iridescents? Non. Je crois que j'en ai pris un. Je crois que j'ai pris le gold. Oui, ça. Mais là, c'est les métalliques.
Et là, c'est les iridescents. Bah non, parce que j'en ai tellement pas ouais. en couleur normale. Que, parce que c'est beau, hein, quand tu ouais. regardes, ouais, franchement, ils sont beaux, les iridescents. Ouais. Bah puis ça peut faire des beaux effets, quoi. Ouais. Il est plutôt pas mal, mon lion aussi, en tout cas, ça. Je vous laisse les filles, je vais jouer avec mon fils. Yes, et ben bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Oh. Ça m'a vidé. Puis bon, je pense qu'il faut tout ranger ce soir. Hein. Bah après. Non mais ça va prendre 2 minutes, hein, mais. Quelle vie. C'est dur, hein. Ah là là. Ouais, bah c'est bien. Merci d'être venu en tout cas. On a passé un bon moment. Vous avez été gentil pour mon premier live, c'est cool. Lilith bof. Mais bon, c'est Lilith. Et si, hein. Il y a quelque chose qui ne te va pas. Non, c'est dans le combo, hein, c'est pas dans les cheveux. Hein. Comment ça, c'est dans le combo? Mais je trouve que toi, c'est, en fait, c'est les deux dernières couleurs que. Quoi? Bah, je trouve que ça part un peu vers le vert. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est moi qui ai un problème avec le vert, je crois. Ouais. Il est pas minuit, c'est pas encore le 1er avril. Tu vois, je trouve que ça fait pas brun. Je sais pas comment expliquer. Bah parce que déjà là, t'as pas mis du. Il faudrait que tu mettes du noir. Là, ouais, en fait, il y a du noir très ouais. foncé. Faut que je mette du noir. Toutes les zones d'ombre là, ici, là. Je mettrai du noir demain. Ouais. Ou alors le très foncé, le marron très foncé. Peut-être pas du noir parce que ça va casser le combo. Mais le 175, je pense. Ouais, je verrai demain ouais. avec du recul là. Mais en fait, c'est ça, c'est tu vois, tous les traits noirs, là, il faut que tu les repasses d'une couleur de la plus foncée de ton combo. Ouais. Mais non, il est bien ton. Il y a Nat qui espère que tu vas faire des lives. Ouais. Bah après, c'est possible, mais c'est juste que niveau organisation, avec les petits, c'est plus compliqué. Quoi. Ouais. Moi, ce serait plus tard, du coup. Et puis. Mais ouais. Donc, peut-être 1h l'après-midi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais s'il se réveille, mon fils. Oui, mais bon, après, les filles, elles savent. Hein. Ouais. Le marron très foncé. Ah, tu vois, Sylla est d'accord avec moi. Merci, Ellie, mais Lily, je suis pas sûre. Oh, Elsa, à bout. Tu veux que je lui mette un coup de pistolet, Elsa? Bonne soirée, Aurèle. Merci, les filles, d'être venues, c'était cool. On vous tient au courant si on fait un live mardi Twitch pour rigoler sur les récompenses de stream. Ou pas, on verra. On verra. Moi, je vais profiter si de tu toi fais aussi. Un live et qu'il se réveille, tu coupes, c'est pas grave. Ouais, tu coupes le live ou tu coupes l'enfant? C'est quoi que tu coupes, Elsa? Va au bout de tes pensées, s'il te plaît. Bisous, les filles. C'est vrai, si on n'a pas dit au revoir et tout le monde nous dit au revoir, quoi. Si, on a dit au revoir. On a dit au revoir. Moi, j'ai dit merci d'être venu. Ah, ouais. On n'est pas difficile, on s'adaptera. Je vois tes bonnes pastels métalliques. Essaie sur une base de feutre humide, ça va briller. Là, ça ne brille pas. Ah oui, tu m'avais déjà dit. Feutre humide. Ouais, elle m'avait déjà dit. Mais je n'ai pas retesté entre-temps. Ok. Pourquoi feutre à tout prix? Pourquoi ça... Bah, c'est parce que ça doit faire un effet, je ne sais pas. Ok. Au choix, Elsa. Au choix. Soit tu coupes le bébé, soit tu coupes le live. Bah, y a une version qui est plus bruyante que l'autre. Ouais. Bah, tu peux couper le son aussi. Ah oui. Je ne vais pas avoir des problèmes, moi. C'est ça. Cool. Eh bien, les filles, bonne fin de soirée. À bientôt. Et demain, Ellie a posté la vidéo. Ah, ok. Ouais, comme ça, c'est elle n'a pas le choix. Bonne nuit. Merci d'être venue. Ciao. À plus.